Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette quatrième acte entre Union de Châtel et Veveri Vera Basket. Une nouvelle fois dans une riveraine pleine à craquer. Et aujourd'hui, on ne change pas une équipe qui gagne, vous êtes accompagné de Alireza Bahiri et de Victor Poli. Bonsoir Victor, comment ça va? Ça va très bien, c'est la grande forme là pour ce super match qui nous attend. Bonsoir à vous depuis Vevey, depuis Neuchâtel, depuis l'étranger que vous nous regardez. On espère avoir un match de grands frissons comme on a eu la dernière fois. Restez sur le chat, n'hésitez pas à commenter le match à tout moment. On y jettera des coups d'œil avec Alireza. Ouais, effectivement, et puis c'est un match qui va être assez particulier. C'est la deuxième balle de match hein, pour Union Neuchâtel qui a l'occasion une nouvelle fois de passer en demi-finale et d'affronter et retrouver Spinelli Massagno pour les demi-finales des play-offs. Et pour ce faire, Union Neuchâtel va devoir montrer un tout autre visage que celui qu'il a montré lundi passé. N'est-ce pas, Victor? Oui, effectivement, on a des grands changements dans les effectifs, surtout du côté veuvezan. Avec à nouveau une possible absence de Takal Molson qu'on n'a pas vu s'échauffer jusqu'à maintenant. Une absence aussi de Ikena Dugba qui a été très très important dans la rencontre passée. Héroïque tout simplement. Et finalement voilà. On a encore un changement, Alireza. Et oui, c'est Jonathan Dubba qui a disputé le 3-3 Super Quest de Lausanne avec l'équipe de Lausanne. Et puis en fait il a eu une petite blessure à la main. Donc à voir sur quelle forme il va pouvoir affiché ce soir également. Quelques coups durs hein, quand même pour Veveri Vera qui du coup ne part pas forcément favori dans ce groupe. Il part pas favori pour cette rencontre, mais ce qu'on peut dire c'est que c'est les playoffs. On attend des surprises comme au match dernier. Neuchâtel partait un peu favori peut-être, et rappelons-le, on a aussi un petit changement quand même du côté de Neuchâtel avec cette fois Darius Moton qui est inscrit sur la feuille de match et qui est probable qui entre sur le terrain. On verra, c'est incertain pour le moment encore, effectivement, ouais, exactement. Mais sinon pas d'autres changements du côté d'Union Neuchâtel. Ouais. Et ben voilà mesdames et messieurs, on est ravis de vous retrouver. C'est sûrement la dernière fois qu'on va commenter sur ce format là avec la Paris Keystone. Je salue d'abord d'ailleurs Lorenzo à la régie qui s'occupe de tout ce qui est mis en place, etc. Donc voilà, c'est un match capital, match 4 hein, et puis vous le voyez sur le terrain, pas de... si, quelques changements quand même, les titularisations de Mateus Rodriguez-Rocha, Atam Kejwal, Axel Mabozo, Brandon Favre et Jonathan Dubas. Axel Mabozo qui a fait une super défense hein, sur Dalan Ancro, mais pourquoi pas miser là-dessus et garder Thomas Yoko et Jack Crouch en sortie de banc. Je pense que c'était la meilleure option prise par Ivan Beram. Et puis ben, pour le Châtel, en fait, ce qui sera important ce soir, c'est vraiment de gommer ces petites erreurs où voilà, on a senti à la fin fébrile Union Neuchâtel. On lançait France 50% lors du match 3 et c'est même le pire pourcentage qu'ils ont eu depuis le début de la saison. Il faut aussi éviter, il faut montrer l'envie, il faut montrer la tonalité de ce match, attaquer le panier. Si l'adresse est là, viser le 3 points, mais si c'est pas là, il faut vraiment trouver une autre solution. Et ben, si c'est ce cas, en route pour les demi-finales quoi. Ah, j'ajouterais quand même que sur le plan défensif, il va falloir faire attention de ne pas laisser trop d'espace aux Veveysans qui arrivent bien à profiter, qui sont assez forts dans ces moments de pénétrer dans la raquette comme ça, qui s'y sont bien parvenus à la dernière rencontre. Complètement, et trouver l'adresse à 3 points. Dylan Chemin, Johnny Mathias, Arkim Robertson, Nate West, Dalan Ancro, pas de réelle surprise. Mesdames et messieurs, il est 17h ici à la riveraine, acte 4, Neuchâtel, Vevey. 3, 2, 1. Alors pour qui la première possession? Pour là qui la première possession? On sait Dalan Ancro va être on fire. Ah, Veveysan. Mais c'est Vevey qui prend et c'est parti pour cette rencontre. Acte 4. Et la première possession est pour le Vevey Rivera Basket. Axel Mabozo. Ouais, alors ils montent tout de suite ses intentions. Favre. En pénétration, ça trouve du bas. Ah, c'est loupé. Rebond Dalan Ancro. Allez, c'est bien défendu. Mais on sent que voilà, Vevey est parti vraiment le couteau entre les dents. Et voilà, il faut continuer. Dylan Chemer pour ouvrir le compteur d'Union Neuchâtel. Ah, il a trop tardé malheureusement. Enfin, c'est repris par Robertson. Robertson, il va jouer avec Mackey. Et deuxième 3 points ici, mais c'est loupé. Ah, déjà 2-3 points manqués, c'est déjà pas un bon début pour Union Neuchâtel. C'est osé, ils ont voulu donner du rythme là. Mais sans succès, c'est reparti pour Mabozo. Kejwal. Qui donne à Kejwal.
Attention, Rodriguez qui était tout seul. Mabozo encore. Mabozo, il aura ce rôle de vraiment aller attaquer ce panier. Oh, il loupe de rien du tout, hein, Soleil-Hop, mais c'était très bien fait de la part d'Axel Mabozo. Neto Est à l'attaque. Il trouve Robertson. Ça touchait le pied, mais il marque pas le panier. Les premiers paniers ouverts pour Union de Châtel. Comme lors du match 3, c'est Union de Châtel qui ouvre le bal. Et on voit le top scorer Vévezan, Jonathan Dubas à la main, qui veut aller finir jusqu'au bout, ça donne à Matheus. Trouvé pour Rodriguez, Rocha, mais pas de réussite. Et Mabozo qui récupère la possession. Favre, il avait de l'espace, mais il préfère redonner à Mabozo. À l'attaque, Mabozo. Encore une fois, c'est loupé. Kejva qui retrouve le rebond. Favre à 3 points. C'est loupé. Peu de réussite, un peu des deux côtés. Mignon de Châtel qui peut repartir en contre-attaque. À 3 points, dans la longue roue. Mais c'est manqué, malheureusement. Toujours pas de réussite à 3 points pour Union de Châtel. Et c'est certain que VV va pouvoir miser aussi. Ouh, la passe entre les jambes. Mais c'est loupé de la part de Jonathan Dubas. Et la faute de Jonathan Dubas sur Johanny Maquès. Alors oui, la faute, mais on peut quand même saluer la jolie passe, la entre les deux jambes qui nous font penser un peu au style de jeu qu'on voit dans le 3-3. Effectivement. Et comme ça, c'est osé en play-off. On voit en tout cas qu'on a un début très mouvementé de partie là. Où, qu'on voit un peu dans le 3-3 aussi, comme ça, avec des actions très rapides. Est-ce que ça va être possible de garder la cadence pendant toute la partie? Ça, j'en doute. Mais en tout cas, ça donne beaucoup de punch et c'est très agréable pour nous à voir ici à Riveraine, dans une Riveraine bien pleine, comme à la dernière rencontre. 1500 spectateurs, j'imagine. Ouais, il y avait 1500 la dernière fois. Et pour rebondir un peu sur ce que tu disais par rapport au 3-3, c'est vrai que c'est un peu aussi la spécialité de Jonathan Dubas. Il fait partie de l'effectif 3-3 de Fribourg. Là, dernièrement, il a fait le 3-3 de Lausanne. Avec Lausanne, il a fini en finale. Hein, ils ont perdu contre Rifa. Et puis, du coup, là, il va bientôt, après cette série-là, il va s'envoler pour la Chine, pour aller disputer les phases qualificatives avec l'équipe de Suisse. En vue des JO 2024. Donc voilà, c'est aussi important pour lui de se mettre en jambes par rapport au 3-3. Et là, il faut dire quand même que ça implique quelque chose pour cette rencontre antisportive. Ouais, c'est antisportive sur Jonathan Dubas, sûrement dû à la rudesse de la faute, et étant donné qu'il a coupé la contre-attaque, ça va permettre à Dalancroupe de se lancer sur la ligne de lancer franc et de donner 4 longueurs d'avance à Union Neuchâtel. Oui, pour terminer juste avant. Ah, c'est Johnny Maquès, pardon. Juste pour terminer ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pour un match de play-off, il y a eu beaucoup de repos des deux côtés, mis à part Jonathan Dubas qui a disputé ces matchs de 3-3. Et donc, c'est pas un hasard que ce soir, on a vraiment des joueurs qui veulent jouer rapide. Ouais, complètement, et ça peut. On l'a vu dans l'acte 3, ça peut partir du tac au tac, d'une position à une autre, d'une séquence à une autre. On va avoir des séquences exceptionnelles, comme on l'a vu pendant tout le long de cette série. Ancroom, ça double sur lui. Nate West, il n'avait pas vu la balle, mais il trouve Ancroom quand même. La pénétration. Ah, il perd la balle d'Alan Ancroom. Ils ont bien travaillé sur la défense sur d'Alan Ancroom ces deux derniers matchs, Vevey Rivera. Il est particulièrement ciblé. Après, dans un match comme ça, on voit que Neuchâtel a plus d'options offensives. Est-ce que ça suffira seulement de couvrir Ancroom? Il y aura d'autres joueurs aussi à couvrir. Rodriguez à la pénétration, il n'y a pas de faute. Et il peut repartir, il y a l'avantage d'Alan Ancroom à l'attaque. Schumer, il trouve Maquès, il peut allumer à 3 points Maquès. Ah, c'est loupé malheureusement, le rebond d'Ilan Schumer offensif. Ouais, attention, c'est Kejval qui va aller défendre sur lui. Mais la balle s'est déviée justement par le numéro 13. Et la balle sera de Châtelain. On sent qu'offensivement, on a la peine à se trouver un peu des deux côtés. On aimerait faire vite, on aimerait faire bien là. Et c'est Ancroom qui se libère à 3 points. À 3 points, le step back et le panier dans la Ancroom. Le premier panier à 3 points du Neuchâtel. Châtel. Ouais, c'est parti, on peut enfin lancer les hostilités. 6 longueurs d'avance, c'est Nate West qui prend un bloc là. Et Favre, attention à l'attaque, Mabozo, Rodriguez, sur Rodriguez, il y a le pic, et il y a Dubas, il a le ISO, mais Dalan Ancroom fait, commet sa première faute. Du coup, Jonathan Dubas qui porte le maillot de top scorer de la mobilière en l'absence de Iken Aydouba et de Takal Molson.
Oui, Ekena qui ne rejouera pas a priori dans cette série, ni ce soir, ni dans un éventuel match 5. Effectivement. Attention Rodriguez Rocha, 7 secondes au chrono des 24. Ouais, c'est compliqué, la bonne défense, Jean-Yves Marquez, il peut aller conclure ça. Oh, le touch pour ouvrir. Oh là là. Oh, le poster sur Axel Mabozo. C'est ça qu'on veut voir. Du bas. Et la bonne défense, encore une fois. Lyon Neuchâtel qui prend l'avantage dans ce début de quart. Marquez encore, Chemeur. Ouais, il faut pas se précipiter. Allez, 14 secondes. Netwest qui a la balle. Il a face à lui Kejvan, le cross une fois, deux fois, le flotteur et le panier. Netwest, incroyable aussi ce panier de Netwest. 10 à 0 pour Union Neuchâtel à 6 minutes 15. Super entame ici Union Neuchâtel à 10 points d'avance. Et surtout aucun panier concédé pour le moment. Complètement. Et on sent que VV a de la peine à conclure, a de la peine à trouver la faille au niveau offensif. Et quel poster de Jean-Henri Maquette. Il est tout simplement incroyable celui-là encore une fois. C'est à l'image de. À l'image aussi de la défense là qu'ont délivré Union Neuchâtel, qui sont bien sur les lignes de passe et qui laissent peu d'options là dans le système veuvaisan. Complètement. Et qui permet cette ouverture magnifique ici pour conclure. Ouais, Jean-Henri Maquette hein, qui rappelle au bon souvenir de son début de saison. Qui rappelle aussi ses posters sur Warren Williams, sur Evan Batté, sur les joueurs de Star Wars. Vraiment, il a cette capacité-là, cet athlétisme qui lui fait voler comme un vrai. J'essaie de trouver un oiseau qui correspond, mais j'ai aucune idée. Ah, qu'est-ce qu'il vole comme oiseau puissant comme ça? Un aigle? Comme un aigle, ouais, hein? Franchement, l'aigle Maquette. Un pélican, on va dire. L'aigle Maquette. L'aigle Maquette, ok. L'aigle, voilà. Le prochain dos, je l'appelle comme ça. On lui dira. Et quelques changements, les rentrées de Thomas Yurko et de Jack Crouch pour Matheus Rodriguez Rocha et Adam Kejval. Et ça presse tout terrain là avec Nate West qui défend sur Mabozo. Ouais, on veut pas laisser de repis hein, au Veuvezan. Mabozo, c'est lui qui mène hein, à la place de Ikena. Duba à 3 points, et Jonathan Duba s'est loupé. Et le rebond est pour Union Neuchâtel, rebond collectif suite à ce shoot manqué de Jonathan Duba. Ouais, ça. Une option un peu rapide là. Ouais, et en rebond, c'est un peu à mettre à l'image du début de match de Vevey qui ne sait pas trop quoi faire de la balle. Hein. Et Nate West en chrome face à Jurkovic. Oh, le flotteur un peu trop court malheureusement, le rebond offensif. Ouais, pas de faux ciblé par l'arbitre. Deuxième rebond offensif et Nate West qui va construire pour le 11 dernières secondes. Et ça se bat bien avec Robertson. Il prend le pic. Nate West à 3 points. Ouais, c'est loupé malheureusement. Et le rebond est pour Vevey. Jurkovic en attaque. Il n'y a personne qui l'arrête. Jurkovic. Et le panier, prend le panier de Thomas Jurkovic, pardon. Et pour Vevey aussi, 10 à 2 dans cette rencontre. Allez, c'est pas grave. Avec Nate West qui dit à ses joueurs de se dépêcher. De monter en zone offensive. De mettre du rythme, absolument. Nate West. Ah, ça joue avec Chemeur. Chemeur à l'attaque. Il perd un peu la balle. Il redonne à Nate West. 5 secondes. Il est loin encore. Nate 4, West. 3. Attention. 2, le froid, le contre. Incroyable. 1. Et il a encore la possibilité. Mais c'est loupé. Grosse défense de la part d'Axel Mabozo. Hein. C'est vraiment bien fait. Et Axel Mabozo, il va avoir un contre 1. La faute de Dana Landrum. Une hésitation du côté des arbitres là, à siffler une anti-sportive, ça a stoppé vraiment cette attaque, mais finalement il n'en est rien. Là-bas, les Veuvezan sur le côté. Et c'est déjà la deuxième faute personnelle de Dalla Landrum, alors faudra faire attention de ne pas commettre tout de suite la troisième. Ah. Et c'est pourquoi il va déjà faire ses premiers changements, hein, Mita Trivanovic. L'entrée. Faire rentrer Dalla Landrum et faire sortir Dalla Landrum et Dylan Schumer pour Thomas Salman et Darius Motten. Donc voilà, qui a subi ce choc à l'épaule lors du Game 2. On va voir comment il se sent notre ami Motten. On espère que ça va aller. Qui a été touché à l'épaule, on le rappelle. On va voir si ça aura un impact aujourd'hui sur sa performance individuelle. Attention, Brandon Favre face à Nate West, c'est bien défendu.
Ouais, la bonne interception ici, Thomas Salman. Il peut aller en 1 contre 1 face à Mabozo. Oh, il n'y a pas de faute sifflée par l'arbitre. Ah, Mitan Trivolovic, il comprend pas vraiment. Et attention à Favre, il y a beaucoup de contacts qui est laissé par les arbitres. Djurkovic à 3 points. Ouais, il y a une faute qui est sifflée. Finalement. Sur le rebond. Contre Moten. Ouais, c'est Darius Moten qui est comme de sa faute. Pour rappel, quand même, on n'a pas dit, hein, mais les arbitres de cette rencontre, c'est monsieur Novakovic, Papayohannou et Demierre. Les deux premiers ont notamment joué, enfin, on a sifflé la finale de la Patrick Bouin Swiss Cup hier. Donc ils enchaînent, hein, carrément. Puis il y a une nouvelle faute sifflée de sur Moten. C'est déjà aussi sa deuxième. Sa deuxième, là, sur l'action d'après. Ouais, Ankrum et Moten à deux fautes chacun. C'est, comment dire, une belle manière de pas bien commencer un match. Deux fautes, mais on peut le dire aussi, pour le moment, de faire des fautes, ça, c'est acceptable, surtout quand on a un score aussi bas. Ça, c'est fructueux pour le moment. Mais là, une faute est demandée par Yvan Beram. Yvan Beram qui réclame la faute ici, mais il ne prend que la balle. Neito, c'est très bien fait. Quand même mention honorable, hein, à Axel Mabozo de rentrer, hein, dans cette rencontre et de tout de suite mettre l'intensité qu'il faut et de prendre le rôle de Ikena. Ouais, c'est vraiment rentrer en puissance et en rapidité. Et les Douest qui arrivent à 3 points. Et le panier, ah. Les Douest à 3 points. 13 à 2. Et il reste moins de 4 minutes à jouer. Et attention, Jonathan Dubas, il va aller essayer de punir tout de suite les Neuchâtelois. Brandon Favre. Mabozo, ça joue avec Urko à 3 points. Ah, c'est malheureusement trop court. Et Jack Rouse qui trouve le bon espace et qui peut finir facilement sur Darius Moten. Ouais, ça part. Il y a beaucoup d'action, hein, dans cette première. Beaucoup d'action, beaucoup d'envie là de passer, d'aller marquer, d'aller droit au but. Oh, on sent Abby West. Droit au but. Nate West. Comme il l'a fait. Oh là là, on disait, il n'y a pas de détour là, on aimerait y aller à fond tout de suite. Comme il l'a fait. Et là, il n'hésite pas, de 1 mètre, il reste encore largement de temps dans les 24 secondes, mais il y va avec la confiance. Et ça finit dedans avec un lancer franc supplémentaire, une action à 4 points. C'est Union qui scande, qui est déjà en train de s'envoler 16 à 4 ici à la Riveraine. Comme il l'a fait lors du Game 3 à la fin du match. Le N1, il est presque similaire à la place de Mateus Rodriguez, hein, qui avait copié de la faute, mais Nate West, incroyable ce qu'il a réussi à faire dans ce premier quart. 16 à 4 et le lancer franc converti par Nate West. Oui. Et la balle est pour les Vevezans. Favre. Favre encore. Mabozo. Attention, pas commettre la faute, ouais, la faute d'Arkim Robertson, mais. C'est sifflé un peu tardivement à mon sens, mais il est justifié. Ça monte très très haut là sur les sorties de bloc, Robertson. Donc oui, on en est à la cinquième faute d'Union Neuchâtel. Mais comme on le disait, c'est pour avoir ce score aussi, ça fait partie du sport. À ce moment en playoff, de mettre autant une telle pression. La pression pour l'instant, Mabozo, il ne la connaît pas. Il a réussi à mettre déjà son premier lancer franc. Hein. 17 à 5, 3 minutes 04. Mais le deuxième est loupé. Le rebond pour Thomas Salman. Salman seul, il va tout seul. Il trouve Nate West. C'était un peu compliqué la passe. Ouais, ça redonne à Moten. Ouh, attention le marché. Et encore une fois, ça va jouer sur Nate West. Qu'est-ce qu'il va nous sortir? Oh, le crossover et le 3 points! Et le 3 points! Oh là là, il est 103ème au numéro 3, 3 points de la partie! Oh là 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 là, Nate West, quel festival il est en train de nous faire! Et Jack Rouse qui va répondre! Mais c'est loupé, le rebond pour Thomas Urko! C'est dedans! Sur Mabozo! Mabozo qui demande le bloc! Et Dubas qui monte! Attention, Mabozo, encore une fois, ça sort bien haut! 3 secondes, il doit shooter Jonathan Dubas à 3 points. Oh là, la réponse de Jonathan Dubas. Qui regarde Moten droit dans les yeux. Oh là là, le trash talking de la part de Jonathan Dubas qui va avec. 20 à 8, 2 minutes presque à jouer encore.
Est-ce que la balle va être donnée encore une fois à Nate West? Button. Et oui, c'est Nate West. Ah, la faute offensive ici de Thomas Salman. Première faute pour Thomas Salman, mais cinquième faute. On est toujours à la cinquième faute, mais sur une faute offensive, pas de lancer franc. Ah, et changement côté Union. C'est bien de le préciser. Avec l'entrée de Dallan and Chrome. Pour Nate West, hein. Justement, Nate West qui compte déjà 12 points dans le premier quart. C'est vraiment exemplaire, Nate West. Et attention, ne pas laisser les bébés en prendre trop de rythme. Ouais, il n'y a pas de perte de balle ici. La balle sera neuchâteloise. Thomas Jurkovic qui a perdu le contrôle de la balle au moment d'attaquer ce panier. Ça fait beaucoup de turnover quand même, hein, de la part de VEM. Ça fait beaucoup, mais on voit que c'est une spontanéité qui à tout moment peut se renverser, qui peut être fructueuse pour Vevey d'y aller, de pas trop réfléchir à l'enjeu du jour. Attention, pardon, je te coupe, mais ça double. Et Thomas Salman à deux points, le facile play-up de Thomas Salman. Et il laisse trop facilement entrer dans la raquette. Allez, Veveyzan. Ouais, la faute de Thomas Salman, c'est aussi sa deuxième. Et ouais, Union de Châtel qui est puni par les fautes. Il y aura changement là pour Thomas Salman qui est énervé. L'entrée de Simi Joao Capoto. Qui va apporter aussi beaucoup de fraîcheur défensive, hein, et essayer de s'inspirer aussi de la performance d'Axel Mabozo pour vraiment arriver à échelle égale. Donc voilà, belle entrée aussi de la part de Simi Joao Capoto qui sera nécessaire tout au long de cette rencontre. Mabozo qui marque son lancer franc, le premier. Un petit 2 sur 3 pour l'instant au lancer franc, Mabozo. Voire même un. Peut-être un 3 sur 4. 3 sur 4, on y est. Et c'est important de bien rester dans le match. Hein. 22-10, c'est un super premier quart de la part d'Union de Châtel, mais il ne faut pas baisser les armes. On peut dire qu'une grande partie de cette avance, elle est due aux 3 points réussis de Nate West, donc ça peut à tout moment se retourner pour les Veveyzans dans une bonne phase. Et attention Caputo en 1 contre 1, il va jouer contre Favre. Oh, on a entendu là quelque chose, hein. On a entendu un claquement là. Ah, alors c'est possible, moi j'ai rien entendu depuis là où je suis. Ah, moi j'ai entendu avec le casque. Ouais, alors. Mais ouais. Complètement. Après alors, le shoot, ouais, c'était vraiment évident en tout cas. Ouais, en tout cas, pour mes oreilles. Il rentrait dans le cercle, donc évidemment que là l'arbitre a sifflé la faute. Et là, Jonathan Duba qui sort se reposer un coup pour Adam Kejval, le Tchèque. Et allez, Simi Joao Capoto tout de suite est dans ce match, concentré sur cette ligne de lancer franc. Ouais, premier lancer franc loupé de la part de Simi Joao Capoto. Tertevenovic qui l'applaudit, hein, qui l'encourage. Allez, il faut se mettre en jambe, tout de suite se mettre dedans dans ce match, être en confiance. Ouais, le deuxième est loupé aussi, malheureusement, Simi Joao Capoto. Capté par Kejval. Et attention, Jurkovic, il trouve Mabozo à 3 points, Axel Mabozo. Et le panier, Axel Mabozo. Il est beau celui-là aussi. Ah, Mabozo qui réduit l'écart là, juste avant la fin du premier carton. Et attention, la balle elle va être donnée à Joanny Maquès. Et la faute de Jack Rauch. Une faute qui sera donnée, hein, étant donné qu'il n'y aura pas de lancer franc sur cette action. Et Joanny Maquès qui. Non, c'est Arkim Robertson qui sort pour Nate West. Et là, par contre, les Veveyzans sont en zone rouge. Quatrième faute d'équipe. Attention à ne pas faire de faute là avant la fin du premier quart-temps. Et puis Rodriguez Rocha, hein, qui fait son retour pour Jurkovic. Puis du coup, c'est Arkim Robertson et Joanny Maquès qui sont sortis. C'est dommage, hein, quand même de voir encore une fois cette stat de lancer franc pas à 100% encore. Et attention, Motten, il va aller au layup, mais il est pris par les bras de Matheus Rodriguez Rocha et il va aller au lancer franc. C'est bien provoqué, hein, de la part du numéro 34. Sur sa main gauche, là, qui très rapidement entame son deux pas. Et c'est contré par
C'était qui? La faute, c'était Kejvar. Rodriguez. Ouais. Pourtant, ils l'ont mis au numéro 4. Ils l'ont mis à Axel Mabozo. Moi, j'avais vu que c'était Mateus. Mais peut-être qu'il y avait un contact avec Axel en même temps. Il y avait deux joueurs dessus. Et le deuxième est bon également. 24 à 13. 30 secondes à jouer. Allez, il faut rester concentré dans cette fin de premier quart. Toujours à l'avantage d'Union Neuchâtel avec un premier quart vraiment extraordinaire. Mabozo. Ouais, il a de la peine à trouver des solutions. Mabozo. Ouais, la passe pour Brendan Favre. 5 secondes. Et pas de faute ici de la part de Antrum. C'est bien défendu. Caputo qui peut aller à la contre-attaque. Il trouve Antrum. Ouais, ça tergiverse. Et il faut donner la balle. Et là, il en est rien. Malheureusement, il aurait dû. Ouais, d'aller Antrum, lui dit de devoir monter sur la dernière. Mais la première. Est-ce que Dalan Okrum s'est fait mal? Ou c'est de la frustration là peut-être. C'était un panier qui semblait très très bien parti au milieu de terrain. Je sais pas. Un avantage Union, mais ça a l'air tout bien. On espère. Ouais, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. 24 à 13 pour Union de Châtel contre le Vevey Riviera Basket qui a parfaitement entamé hein, cette rencontre, cet acte 4. Incroyable, hein, les 5 premières minutes, ils sont vraiment partis dans tous les sens. C'est vraiment beau, c'était vraiment du beau basket. Et il y a vraiment du spectacle, donc en espérant que ça continue pour la suite. Hein. On peut dire qu'il y a peut-être une ou deux personnes à qui ça va déplaire d'avoir autant, on va dire, de pertes de balles, d'imprécisions. Mais ça peut être aussi bénéfique, comme on l'a vu ici au spectacle, à voir cette spontanéité des joueurs qui n'hésitent pas à aller directement à panier. Un peu peut-être parfois dans la précipitation, mais qui permettent aussi d'avoir des superbes occasions comme on a vu là, de prendre des shoots à plus d'un mètre des trois points. Et c'est stratégie gagnante pour le moment pour Union Neuchâtel. Et techniquement on voit qu'on a un petit souci ici, que vous m'entendez un peu plus qu'Ali Reza, on s'en excuse. On essaie de faire au mieux. Ça va pas les gars, ça va pas. Je peux un peu augmenter là, mais peut-être. C'est parce qu'il a un peu une voix, il a une voix assez portante, Ali Reza, donc on lui a un peu enlevé. J'ai pas envie de faire de gaffe, hein. En vrai, de vrai, sur les touches, je sais pas si. Ouais, je sais pas. Alors, je vais essayer de calmer un peu, soit moi me calmer, soit plus donner. Mais j'ai plus de voix déjà, donc je suis un peu dans la mouise. On t'entend très bien. Peut-être c'est ça. Peut-être c'est ça. Vous me direz, hein, évidemment, dans les commentaires. Oui, si, alors là, effectivement, je t'entends un peu mieux. Vas-y, si tu peux me dire quelques mots encore. Bah oui, mais moi, du coup, je t'entends un peu moins. Mais voilà, on va regarder. Je pense qu'on comme a ça. Un équilibre qui est un peu plus correct. Voilà. Et ben, si vous pouvez nous dire de votre côté si c'est mieux, ça serait avec un très très grand plaisir. On vous remercie d'être plus presque 400 à nous suivre. Allez, début de ce. Deuxième quart et Jack Crouch qui peut tout de suite allumer à 3 points, mais c'est loupé malheureusement. Le rebond pour Nate West qui a fait son retour. Ah, il y avait Mabo Caputo qui demandait carrément le alley-oop. West. Et attention, Nate West encore. Ça peut jouer avec Motton face à Favre. Ouais, la bonne défense de Brendan Favre. Ouais, et la faute anti-sportive de Dylan Schumer. Ah, ça pardonne pas, les fautes qui viennent comme ça de derrière, surtout avec l'angle de l'arbitre, là, il n'y a pas de doute, ça touche un poil la main, et c'est anti-sportif, ça stoppe l'attaque, pas et ça sera donc de lancer franc. Ouais, complètement, hein, c'est exactement ça. Quelques lignes de stats quand même, hein, pour vous dire, voilà, les 12 points de Nate West dans ce premier quart, qui est le meilleur scoreur tout simplement de la partie pour l'instant. Et Mabozo qui marque son premier lancer franc. 5 sur 6 pour Mabozo au lancer franc. Alors 47% au tir pour Union Neuchâtel dans ce premier quart. 23 pour le Vevey Riviera Basket. C'est là où ça pêche, hein. On a vu le premier quart qui vraiment est parti dans le tournant de Union Neuchâtel. Alors que là Jack Crouch il joue au poste. Il n'y a pas de faute. Et c'est court malheureusement de la part de Jack Crouch. Ouais, pas de vraie adresse hein, de la part de Jack Crouch. Button, le cross. Oh, il trouve Schumer, c'est bien fait. Le panier de Dylan Schumer.
très beau jeu, très belle cohésion hein, entre les deux joueurs. Très belle entente avec deux grands joueurs là sur ce pick and roll. Et le panier ici en réponse de Schumer, c'est celui de Adam Kejval qui inscrit ses premiers paniers de la soirée également. 26-17. Et Vevey qui est passé en zone. Une zone 2-3 mais qui monte très haut là pour couvrir Allen. Attention à la mauvaise passe. Et la paire de balles. Donc stratégie gagnante là pour Vevey en zone 2-3. Ouais, attention de ne pas se laisser avoir par cette zone. Et puis là, c'est Jonathan Grezer hein, qui fait son apparition pour Simi Joao Caputo. Et Hakim Robertson fait son retour pour Darius Moten. Afin de contenir aussi Adam Kejval. Jonathan Grezer qui pourra apporter aussi un peu d'adresse au tir à 3 points. Il faudra compter sur lui. Mais maintenant, il faut défendre ici pour Neuchâtel. Dubas encore. Il trouve bien Rauch. Il faut qu'il monte, Jack Rauch. Ouais, c'est court. Hein. Vraiment, ces deux derniers postes, il n'a débouché à rien du tout. Là, et Douest pour continuer sur la soirée. Oh, et le 3 points. Son quatrième ce soir. Ouais, il est en train d'allumer le secteur. Et la réponse très rapide de Mabozo de l'autre côté. Ouais, et 2 points pour Vevey Rivera. Axel Mabozo qui se transforme en Ikenna Ndougba. Alors que là, du côté de Vevey, il réclame du flopping hein, de la part de Nate West. Ça gagne beaucoup d'ampleur là, la zone pour Vevey. Ouais, ça trouve Schumer aussi. À 3 points lui aussi. Ah, lui, ah, il est là, dommage. Et le rebond pour Jack Rauch. 29-19, il y a 10 points d'avance pour Vevey. Pour Neuchâtel, pardon. Rauch, il joue avec Adam Kejval à l'intérieur. Ouais, le tip-in de Jonathan Dubas qui ramène les deux équipes à 8 points et le temps mort pris par Mita Trivelovic. On sent que voilà justement cette défense de zone, elle fait mal à Union de Châtel et puis ils sont en manque d'inspiration, hein, on le sent. Ouais. Donc, alors là, quand même, on peut noter que Union a un certain écart, mais on peut douter que de la pérennité là, si ça va vraiment rester comme ça toute la partie. On sent Vevey avec beaucoup de sang-froid. Qui fait moins ses erreurs du début de match là, qui va un peu plus rationnellement au panier. Neuchâtel, on peut dire la même chose là, qui joue sur plus de jeux posés par son écart. Est-ce que voilà, ça va être suffisant de rester sur ses aises là, ne pas être remonté par Vevey Rivera? Ouais, il n'y a rien d'autre à dire, hein, c'est complètement juste. Et quand même, une petite mention à Axel Mabozo qui est déjà à 10 points ce soir. Il est en train de livrer tout simplement pour l'instant une de ses meilleures performances de la saison et même de sa carrière, je pense. Ouais. Et c'est bien donné pour un joueur comme lui qui mérite hein, d'avoir des minutes de jeu et de montrer ce qu'il vaut sur le terrain. En tout cas, pour un jeune joueur comme Mabozo, c'est une superbe récompense de pouvoir s'illustrer comme ça dans des parties décisives pour Vevey Rivera. Ouais, et puis prouver qu'il a sa place hein, comme il avait eu au remplacement de Ikenna Ndougba. Ben, là c'est lui qui carrément n'est pas encore sorti hein, de cette rencontre. Et puis ça va défendre dur jusqu'à la fin de cette rencontre. Nate West, 11 secondes au chrono des 24. Ankroum, la feinte, il trouve Nate West, la mauvaise passe de Dalal Ankroum. Cette zone de 3, elle fait vraiment mal à Union de Châtel pour l'instant. Et puis Favre, il est tout seul à 3 points. Et il allume Brandon Favre. Ah, Favre qui allume là, côté Vevezan. Ouais, et puis il se rappelle au bon souvenir du Game 3 pour l'instant. 29-24. Qui se réveille. Ah, Favre qui peut faire très mal comme à l'acte 3 qui avait marqué 20 points. Faisant de lui le meilleur scoreur pour Vevey. Et là il reste 4 secondes, il faut shooter dans la Lankroom. Et il loupe le tir, le rebond pour Dylan Schumer. Et il va encore y aller, Dylan Ankroum. Il trouve Schumer à 3 points lui aussi. Et le panier, Dylan Schumer. Celui-là, il va faire du bien hein, pour le Suisse et même pour Union de Châtel. 32-24 à 6 minutes 28 de la mi-temps. Allez, là, il faut absolument un stop pour Union de Châtel. Oh, la super passe trouvée pour Brandon Favre. Même position, et ça passe à côté. Cette fois-ci, un peu de chance hein, pour Union de Châtel. Nate West, voilà, mauvaise passe,
il trouve quand même Jonathan Grezer. Neuchâtel ça... qui temporise un peu là, mais qui renverse sur Grezer. Grezer à 3. Un point Grezer. Oh, là, et ça passe juste pas. Et puis Jonathan Dubas, il cherche cette faute de Dylan Schumer. Mais pour l'instant, Schumer s'en sort bien. Mabozo, il trouve Favre. Allez, c'est important de bien défendre sur cette possession. Kejval. Kejval encore. Ah, c'est loupé. Le rebond pour Jack Rauch. Et le panier facile de Jack Rauch qui se défait bien de Dallan Lancroom. Et puis 32 à 26, hein, c'est vraiment pas fini. Hein, dans cette, ouais, on peut dire que là, l'écart du début, il a pratiquement été effacé. En tout cas, on sent Beuvet qui s'est pas laissé distancer. Ouais, complètement. Et attention, il appelle le Heise au carrément Nate West. Ouais, le flotteur de la part de Nate West s'est loupé malheureusement. Pas de réussite hein, dans le deuxième quart. Mabozo, il va aller en 1 contre 1. Il trouve Favre à 3 points qui peut dégainer. Mais c'est loupé. Le rebond, Nate West. Ah, le pied sur la ligne de Nate West. Balle, Beuvet. Ah là là, c'est tendu. On sent que les deux équipes ont faim, les deux équipes en veulent. Parce que oui, c'est quand même Union Neuchâtel hein, qui mène 2 à 1 dans la série. De très peu. Et là, on amène un peu d'énergie venue du banc avec l'entrée de Motton et de Maquies côté Union Neuchâtel. Et côté Beuvet, c'est... Ben, c'est Jurkovic, hein, Jurkovic qui est rentré, ouais. Je crois de Adam Kejval. Rauch. Ah, il avait de la place, Jack Rauch. Attention de ne pas commettre la faute. Jack Rauch ici, il prend le shoot à 3 points. Et c'est court. Jack Rauch qui n'est pas encore dans son match à 200%. Nate West, le flotteur cette fois-ci, c'est dedans. Nate West, celui-là il fait beau, il fait plaisir à voir. 34 à 26. Et attention, bonne défense ici de la part de Nate West. Mais Mabozo, tiens bon, c'est idéal, c'est incroyable là, ce qu'il est en train de faire Axel Mabozo. Je sais pas ce que t'en penses Victor, mais... Présent sur tous les fronts. Et là, et c'est lui qui va dans aller le match attaquer. Jusqu'au bout. Ah, il s'est touché de la balle de Nate West. Ouais, c'est contré. Hein, Djokovic qui reprend et qui n'hésite pas à tirer à 3 points. Et le non, c'est dehors. Ah, par contre, ouais, c'est pour. Le temps a été arrêté pour sécher un peu. Oh là 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 là. Il y a une faute. Parce qu'il enroule son joueur au moment de faire le box-out. Ouais, je sais pas trop quoi penser de cette action. Franchement. Je l'ai pas vu en tout cas. Mais on fera confiance aux décisions des arbitres. Opa. Ouais, la faute. Et tu l'as dit toi-même. Opa. La petite faute de Dylan Schumer, c'est la troisième d'Union Neuchâtel. Là, qu'il a vraiment pris de face. Hein. Ils ont vraiment été dans des directions contraires. Ouais, complètement. Ouais, vraiment. Et vraiment, ce qui est appréciable dans cette rencontre, c'est ce qu'on ne sait pas ce qui va venir pour le moment. On note quand même le festival de 3 points. Beaucoup de 3 points tentés. Et là, c'est Dubas facilement au panier. Jonathan Dubas. Beaucoup de 3 points tentés et réussis. Qui permettent de vraiment à tout moment de renverser le score. Et Schumer White Post qui redonne à Maquies. Maquies. Maquies encore. Motton, il allume à 3 points lui aussi. Et il met son 3 points, Darius Motton. Ah, le tour de Motton de rentrer dans ce festival. C'est beau, 37 à 28, il reste 3 minutes 45. Jack Rauch en 1 contre 1 contre Motton. Attention, pas commettre la faute. Jack Rauch, il est. Ouais, c'est compliqué. Dubas, qu'est-ce qu'il va nous sortir? Jonathan Dubas, le shoot à 3 points. Ah, c'est loupé malheureusement. Le rebond pour Jack Rauch. Et attention, Mabozo, il a de la place. Le boulevard et la finition avec la main gauche. Ouais, on lui laisse beaucoup trop d'espace. Axel Mabozo, il en profite. Hein. Il va vraiment pas se priver d'inscrire, ouais, et de scorer. Il a quand même hésité un moment à s'arrêter pour le shoot, mais il y avait l'espace, il y avait là, surtout la vitesse. Et le dunk ici. Le dunk, Schumer. Et ici, le temps mort pris par Ivan Beram. C'est une belle réponse, hein, ce dunk de Dylan Schumer au panier de Axel Mabozo. 39 à 30 pour Union Neuchâtel. Un véritable régal hein, au niveau du spectacle. Le spectacle est au rendez-vous cet après-midi à la Riveraine. Et ouais. Pour le plaisir des supporters veuvaisans qui sont en face du banc Beuvet. Et pour tous les supporters neuchâtelois qui occupent entièrement la salle de la Riveraine.
Ouais, il y a du monde hein, ce dimanche soir. Il y a pas photo. Et maintenant, Victor, quand même, on va quand même te lancer sur l'instant pronostic. Quand même. Parce que la dernière fois, t'as pas voulu te mouiller. Là, les gens, ils vont vouloir. Alors, une chose déjà, une chose avant, on remercie les commentateurs du chat pour nous avoir indiqué le bon fonctionnement du chat. Et maintenant, passons à mon pronostic, hein, parce que voilà. Comment ça, le bon fonctionnement du chat? Hein? Comment ça, le bon fonctionnement du chat? Que le son maintenant c'est mieux équilibré, son, okay, voilà. Ok, ouais, d'accord. Mais maintenant, pronostic, Victor. Allez, il faut te mouiller. Pronostic, hein, on veut vraiment dire quelque chose. Pronostic, il faut miser. Tu veux mettre 2 balles, tu veux mettre 5 balles? Alors, il y a une différence entre ce que moi j'aimerais voir. Ce que je vois là, ça me suffit amplement. Ouais. Bon, au niveau du spectacle, oui. C'est joli. Il y a de l'envie, il y a vraiment de l'ardeur dans les deux équipes. Mais toi, tu aimerais savoir le résultat du score? Je veux savoir qui gagne et par combien de différence. C'est simple que ça. Qui gagne? Bon, je sais que tu vas dire Neuchâtel, mais je vais quand même miser sur la victoire à Vevezanne, mais de très très peu. Ouais, je suis d'accord qu'on est à 1-1. Pour équilibrer un peu le commentaire ici, et toi, dis-nous vite avant qu'on reprenne le match. Je dis victoire de plus 10 de Neuchâtel. Voilà, comme ça c'est serré jusqu'au bout et ça fait du spectacle. Super, alors, du bas, en bas. Sur du bas encore une fois le poste. Il veut continuer, ça a doublé. Jurkovic à 3 points. C'est Thomas Jurkovic. Un festival qui se poursuit là. Ah désolé, je vous lâche pas avec ça, mais vraiment, c'est remarquable. Ouais, mais ça fait sourire d'Alan Ankrum parce que je sais pas si c'est plus de l'ironie qu'autre chose. Nate West, Ankrum. Il va redonner à Nate West à 3 points, Nate West. Ouais, et puis la balle touche l'anneau. Et puis les deux équipes sont revenues à 6 points d'écart seulement. Ce deuxième quart est clairement à l'avantage de Vevey. Il y a 20 à 13 dans ce quart. Et puis ils peuvent compter sur un Axel Mabozo en grande réussite ce soir. En grande réussite et très. Ouais, ça a failli repartir. Ici de Darius Moton qui commet la perte de balle de Jack Crouch. C'est très bien fait hein, de la part de Darius Moton qui on sent complètement investi et puis on sent l'épaule vraiment cette histoire en scène. Et pour continuer avec Mabozo, c'est un double avantage d'avoir un meneur de jeu comme ça qui fait une super performance et aussi qui profite de l'effet de surprise là pour aller marquer des paniers. Ah et là la mauvaise passe de Dallan Chrome, là c'est de la mauvaise communication entre les deux équipes, c'est quand même ça devient un petit peu frustrant et ça offre des cadeaux hein, pour Vevey Rivera Basket pour revenir dans cette rencontre. C'est en toute logique d'Alan Lankrum qui va sortir, tout comme Dylan Schemer pour Arkim Robertson et Thomas Salman. Mabozo pressé dans son camp. Allez, Thomas Salman, sa mission, maintenir les ardeurs de Axel Mabozo. Double bloc. Sur Mabozo, il trouve Jurkovic, Jack Crouch. Il a la place et la faute ici de Darius Moten. C'est la quatrième de l'équipe. Pas encore de lancer franc ici, mais il reste 1 minute 52 dans ce deuxième quart. On signalera quand même la troisième faute pour Moten. Ah là 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 là. Ça aussi, c'est pas bon. Mais heureusement, Arkim est toujours à une faute. Ça, c'est le seul point positif que pour l'instant je vois ici. Duba. Ah, attention, il pouvait dégainer, mais il va jouer en 1 contre 1. C'est bien défendu de la part d'Arkim. Il n'y a pas de faute qui était sifflée. Aïe, aïe, aïe. Et la faute de Thomas Jurko. Ça semble avoir été. L'impact semble avoir été douloureux là pour Jonathan Duba. Ah oui, je ne sais pas s'il s'est fait mal au dos. Et c'est sûr que même si il est un peu affaibli, Jonathan Duba. Il va tout donner pour essayer de donner à son équipe le droit de rêver à jouer cette demi-finale contre Massagno, c'est sûr et certain. Ouais. Duba qui pendant toute la saison a été primordial pour tenir une certaine stabilité à Vevey Riviera. Qui fait partie des MVP suisses hein, de cette ligue cette saison. À l'intérieur pour Robertson. C'est bien trouvé. Et le panier ici d'Arkim Robertson. Jonathan Duba qui réclame les 3 secondes de la part auprès de Monsieur Tagliabue je crois. Mais il en est rien. 41-33, Milan Neuchâtel qui garde son avance. Ouais, la bonne passe trouvée, l'interception, non.
pour Jurković ici, le panier de Thomas Jurković, lui aussi qui a pu se réveiller et qui peut compter aussi sur la présence de son frère dans les tribunes, je l'ai vu tout à l'heure. Mackies, Nate West, Mackies encore à l'intérieur, c'est bien défendu de la part de Mabozo. Attention Mabozo, un contre un Mabozo. Mabozo seul et qui termine, ça passe à côté, mais il y a une faute sifflée contre le numéro Johnny Mackies. Contre Johnny Mackies. Deuxième faute pour Johnny. En fait, j'ai l'impression qu'on se fait précipiter par à cause de cette zone. On est en train de se précipiter un peu à s'attaquer sur deux joueurs en même temps. Donc oui, quand même un peu bizarre de vouloir absolument trouver. Alors, l'idée de trouver l'intérieur, trouver la fin et trouver le trou, c'est bon. Mais de foncer sur deux gars en même temps, ça c'est compliqué. Ah, surtout ce qui est dangereux, c'est une interception aussi haut à 3 points. Qui permet un avantage clair pour partir en contre-attaque. Et changement côté Vevezan avec l'entrée de Trey Mabozo. Non, Trey Motombo. Trey Motombo qui rentre et puis Ben Rosenholz. Tous deux issus de la formation U23 également. Et histoire aussi un peu de faire respirer Jonathan Duba. Ouais, à 39 secondes de la fin de cette première mi-temps. Et puis il y a Tom Keshval qui fait son retour aussi pour Jack Crouch. 41-37, il y a vraiment très peu d'écart entre les deux équipes. Ça tient à rien, c'est du beau spectacle. Ça nous garde en haleine jusqu'au bout. Et là, pour West, et je crois qu'ils vont passer, ils vont rester en zone, hein, une petite ouais, 3-2. Mais 3-2 cette fois, ouais, ils ont changé ça. Faut bien presser Motten en haut. À l'intérieur, et le panier passé de Darius Motten. Très belle finition de la part du numéro 34. Il reste 21 secondes. Et la dernière possession, je ne sais pas si elle sera Vevezan, mais ce sera tout comme Rosenholz. Allez, il faut bien défendre sur Rosenholz. Jurković, il ne faut pas lui laisser trop d'espace. Ouais, c'est un peu limite. Motombo à 3 points. Ouais, c'est loupé, Jurković tout seul. Sur le buzzer, le panier est le panier accordé. Sur le buzzer de Thomas Jurković. Sur la sirène, aucun doute. 39-43 pour A. Mais il y a quand même. Attends, il faut quand même regarder. Il y a quand même. Moi, je l'ai vu clairement dedans. Et surtout, on a vu les trois arbitres signer le 2 points en même temps. Donc ça serait étonnant que les trois se trompent, mais on va laisser quand même le bénéfice du doute. Alors on va essayer de voir parce que en fait il y avait aussi le chrono des 24 qui tournait. Est-ce que ça... Tu dis qu'ils n'étaient pas forcément synchronisés. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout qu'est-ce qu'ils vont décider. Alors ils accordent le panier. Et puis c'est fini. Voilà, fin de la mi-temps. 43-39, enfin, rien n'est encore fait pour Union Neuchâtel qui, comme lundi dernier, a parfaitement entamé sa mi-temps et que voilà, laisse trop d'espace pour quelques erreurs d'inattention, des mauvaises passes, un peu de déchets hein, avec cette balle, mais qui mène quand même grâce à notamment un grand Nate West hein, avec 17 points à la mi-temps, c'est vraiment mention honorable. Et du côté de Vevey, ben voilà, en fait, il paye cash le mauvais début de match qu'ils ont fait, mais ils ont un Jurko qui est présent, ils ont un Mabozo qui est pour l'instant le meilleur joueur actuellement, et voilà. On peut dire que la performance est très réussie côté Vevezan pour le moment, qui, on le rappelle, est quand même privé de Takal Molson et de Ikenan Dugba. Donc pour ma part en tout cas, qui crée une grande surprise en ayant une telle performance offensive. Complètement. Et on voit qu'à tout moment, les zones qui sont mises en place côté Vevezan, ça vient perturber Union. Et Union qui est quand même assez dépendant de sa réussite aux 3 points. On peut le dire, un Nate West, 17 points bien évidemment à souligner, mais qui parmi les 17 en a 12 en 3 points. Hein. Ça n'enlève absolument rien à sa réussite, mais qui à tout moment, voilà, ça peut basculer avec moins de réussite et puis parallèlement avec une bonne réussite côté Vaudois. Et ben l'analyse est déjà faite, on n'a pas besoin de vous la faire hein, pour la mi-temps. On se retrouve dans une douzaine de minutes pour la suite de cette rencontre. A tout à l'heure. Allez, à tout de suite.
Thank you.
Nous sommes de retour à la Riveraine en ce dimanche. Quel jour on est déjà, Victor? Le 7 avril. Le 7 avril, voilà. Dimanche 7 avril où Union Châtel, pour l'instant, comme lors du match 3, est en marge pour une qualification pour les demi-finales. Mais là est la question, quel visage va montrer Union Châtel dans cette deuxième mi-temps? Est-ce qu'elle va afficher la même attitude et la même faiblesse de réussite que lors du Game 3, ou est-ce qu'au contraire, Union Châtel va avoir encore plus de mordant, encore plus envie d'attaquer le cercle, de bien finir, de soigner ses passes, et mettre Vevey vraiment sur ses retranchements, quoi. Sur la piste des demi-finales, ouais. Et pour le moment, on peut dire que les deux équipes sont assez équilibrées au niveau des statistiques d'équipe, avec une différence surtout aux 3 points, seulement 23% de réussite côté Vevezan pour 46% côté d'Union Neuchâtel. Et la première possession est pour Neuchâtel, et c'est bien défendu de la part des Vevezan. Jonathan Dubin qui a intercepté cette balle, il trouve Brandon Favre à 3 points et le panier. Et c'est lancé pour les 3 points des Vevezan. Et voilà, c'est parti mesdames et messieurs, 43-42. Cette fois-ci, il n'y a pas de doute, on est bien dans un vrai match de play-off. Et il faut vraiment stopper tout de suite l'hémorragie, hein, pour Union Neuchâtel. Nate West,
Ouais, la bonne passe trouvée pour Maquès à l'intérieur. Maquès. Ouais, pas de faute. Reverse, mais faute technique contre Maquès pour contestation. Non, je pense que c'est pour flopping. Ah, flopping, ouais. Ouh là là là, ça c'est un coup de sifflet qui fait un peu mal au Neuchâtelois. Il va redonner un lancer froid à Brendan Favre et va recoller tout de suite les Vevezans dans cette partie. Mais il loupe ce lancer froid, Brendan Favre. Ouais, c'est fou. C'est fou de marquer ce 3 points. Mais derrière, de ne pas pouvoir assumer le lancer franc, c'est dommage. Mais là, ils ont même l'occasion de repasser devant. Hein, Vevey Rivera Basket. Pour du bas, ouais, il poste. Bah, il y a Jurkovic tout seul. Et le panier facile de Thomas Jurkovic sur la superbe passe, la superbe très passe malin, là, de Jonathan Duba. Qui voulait de monter en tête de raquette, qui allait en direction droit vers le panier. Et attention à Dalla Lantrum, on a besoin de lui en défense aussi. Ne pas sous-estimer Thomas Jurkovic. Il peut être un renard des surfaces. Maquès. Nate West, Ankrum, Maquès, il allume à 3 points. Et le panier, Johnny Maquès, qui redonne l'avantage à Union Neuchâtel. Car oui, en fait, Vevey n'a jamais mené hein, au score. Donc 46 à 44 pour Union Neuchâtel. Sous cette pluie de 3 points ici à la Riveraine. Alors, je ne sais pas quel type de zone on essaye de faire, mais je crois que c'est plus de lundi. Brendan Favre, Jurkovic. Par la ligne de fond, ah, et il retourne les deux points. Qu'il est en train de nous faire, c'est complètement fou. Il est en train de se transformer en Takan Molson carrément. Ah, t'aimes bien avoir un petit peu les mêmes profils. Ils ont pas assimilés. Trop le choix, hein, du coup. Ouais. Ah, qui prennent vraiment leurs responsabilités à cœur là pour mener Vevey sur la voie des demi-finales. Et West. West, c'est court. Malheureusement, le rebond pour Dylan Schemer. Il va attaquer la faute ici. Sifflé par l'arbitre avant le tir. Donc la faute, elle est donnée au numéro 0, Jonathan Duba. Qui en est à sa troisième faute personnelle. Ouais, non, c'est sa deuxième. Ah, mes excuses, ouais. Allez, un peu de chance, hein, ce coup de sifflet sur Dylan Schemer. Mais il faut tout de suite répondre. Et derrière, faire un bon stop défensif. Ankrum. Oh, la bonne passe trouvée pour Schemer. Ça trouve West. Ça redonne à Ankrum. La feinte. Il redonne à Nate West. C'est bien fait. Le flotteur. Et le palier. Nate West. Sur le buzzer. Oh, oui. Oh, sur le buzzer. Il est incroyable celui-là. Pas sûr que. Je sais pas s'il y avait encore ce chrono des 24 qui courait. Mais voilà. 48 à 46. Et gros pressing sur Thomas Jurkovic qui se retrouve seul dans la raquette face à West. La faute, elle est avant. Faute avant de Nate West. Thomas Jurkovic, il se balade hein, vraiment dans cette raquette d'Union Neuchâtel. Là, qui ont switché sur le bloc face à Nate West. Et Thomas Jurkovic qui a pas hésité à prendre son avantage de taille et qui obtient la faute. Attention à Favre au jump shot, le 2 points et le panier facile. Brendan Favre, il faut absolument communiquer en défense d'Alain Lancroum qui rouspète. Mais on a besoin de lui absolument en défense aussi. Et pour la première fois, égalité au score. Non, c'est pas la première fois, Victor. Ah. Aïe, aïe, aïe. C'est pas grave, Victor. Ouais, ça redonne à Maquès. Nate West, il allume à 3 points lui aussi. Ah, pas de réussite. Le rebond pour Jonathan Duba. Allez, pas commettre de faute, Johnny Maquès. Jurkovic. Ouais, il y a Jack Crouch. Il trouve Mabozo à 3 points. Et le rebond de Dylan Schemer. Ils vont jouer sans rien perdre, comment on dit, sans aucune crainte, hein, Vevey Rivera Basket. Et la faute de Thomas Jurkovic sur Dalla Lancroum. Puis il y aura un double changement du côté de Neuchâtel. Les retours de Motton et de Thomas Allman pour Dylan Schemer et je pense c'est Dalla Lancroum. Hein, qui est sans doute frustré de ne pas apporter ce qu'il a d'habitude à apporter au hein, niveau offensif. Autant il le comptait très bien, hein, les Vevezans. Donc c'est vraiment pas facile. Remise sur Salman. Bah, Salman. Marquage là de West sur l'aile. Il va jouer avec Salman de nouveau.
La pénétration de Salmon jusqu'au bout. Ah, et ça passe à côté, rebond. Non, il loupe. Encore. Oh là là, ce qu'il loupe par Kim Robertson. Oh là là, ça me rappelle le game 3, c'est terrible. Motten, le shoot à 3 points. C'est loupé encore une fois. Et la faute de Hakim Robertson. Et là, tout le banc veuvezan qui se lève parce qu'ils savent que ce qu'ils sont en train de réaliser, ça relève de l'héroïsme. Ils sont sur le point de réégaliser à deux partout. Hein, même si c'est encore long, il y a 48 à 48, il y a tout qui peut se faire hein, dans cette rencontre. Ouais, 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 et qui n'arrêtera pas de nous surprendre. Là, notamment par ces joueurs qui prennent un rôle. Comme tu aimes bien le dire, avec des absents, le rôle des absents. Ouais, et là, attention à cette possession qui va être cruciale pour Vevey. Mabozo. Et il n'y a pas de faute. Marché ici, mais l'interception ici de Darius Motten qui va aller à la contre-attaque. Trouver Nate West. Nate West à 3. 3 points. Et le, oh West. Le cinquième 3 points de Nate West. Et ici, la révolte Union de Châtel, 51 à 48. Duba, il est en train d'organiser le jeu. Pas laisser de shoot à 3 points, hein. Encore une fois pour les Vevezans. Jack Crouch, c'est compliqué. Sur Duba. Et Duba, le shoot et non, pas de réussite. Capté par Robertson qui donne tout de suite à West. Et attention, Nate, ça part. La contre-attaque. Il est seul, hein, il décale ah, sur. C'est bien fait pour trouver Salman. Et le 3 points. Le panier à 3 points de Thomas Salman. Qui redonne 6 longueurs d'avance à Union de Châtel. Ah, c'est bien, il fallait ce stop défensif de Union de Châtel, des hommes de Mitar Trivonovic. C'était vraiment important pour ne pas laisser enflammer les Vevey Rivera Basket. Ah là, et Union qui retrouve sa voie du début de partie là pour trouver les 3 points qui donnent un avantage conséquent quand même. Quand même conséquent, mais rien n'est encore fait. Mais bien sûr, très rattrapable pour Vevey Rivera. Temps mort pour essayer d'endiguer le phénomène à 3 points des Neuchâtelois. Et évidemment, vous n'hésitez pas à continuer de commenter hein, sur. Et n'hésitez pas à nous faire voyager aussi et de nous dire de où vous regardez le match. Don't hesitate to write us wherever you are. To take it from where you're looking the game. Alors à noter quand même hein, que c'est le 2, il fait partie des deux du. Comment on dit ? En fait, il y a deux matchs qui sont au game 4 de la série. Hein, Fribourg Olympique et Massagno sont d'ores et déjà qualifiés pour les demi-finales. Mais il y a Union de Châtel contre Vevey, mais il y a aussi Genève contre Monté. Hein, le lundi de Pâques, Monté a réussi à s'imposer au repos yeux. Il y aura donc un game 4. Non, un Game 4, oui, c'est ça. Oui, qui aura lieu ce aura mardi. Lieu ce mardi, à au nouveau, repos-yeux. Ah oui, à nouveau au repos-yeux. Exactement, donc avoir aussi l'autre affiche des demi-finales. Donc on verra. On verra tout, il n'est pas encore décidé hein, dans cette rencontre. Et même dans cette série play-off, qui pourra prétendre au titre de champion de Suisse 2023-2024. Pas de réel changement des deux côtés des équipes. Et on est reparti, c'est carrément Jack Crouch qui va mener la balle. Et il est tout de suite bien gardé par Motten. C'est super à ce qu'il est en train de faire Darius Motten, je trouve. Ouais, c'est bien trouvé l'interception, non, pour l'Union de Châtel. Mais Jurkovic, il a de la place. Jurkovic, c'est court. Et le panier facile, non. Rebondir. Duba qui loupe son tir. Paquez, à grosse enjambée. Il préfère temporiser. Hop. Non, rien n'est sifflé. Rien n'est sifflé. Pas de faute de Jonathan Duba. Et on préfère temporiser du côté de Châtel. Ah là là, quel manque de réussite ici de la part de Vevey. Nate West, le 3 points de Nate West, c'est trop excentré à droite. Et le rebond pour Axel Mabozo. Mabozo qui met de l'énergie, mais il y a du monde en défense. Temps de calmer le jeu, Mabozo. Ah, Duba qui se retrouve en position favorable au poste bas. Exactement. Et il veut redonner à Favre la bonne passe. Non, la balle elle est quand même pour Vevey. Elle s'était bien trouvée. Et il reste 5 secondes au chrono des 24. 5 secondes pour Vevey. Avec un bloc qui se profile pour Jurkovic. Non. Et ça c'est Rauch. Attention Rauch. Le flotteur. Et c'est loupé. Le rebond incroyable de Nate West. Thomas Salma qui s'est pris un coup à la tête, je crois. Et la bonne passe trouvée pour Maquies. Oh là là, ce qu'il loupe, Johnny Maquies. C'est dommage aussi. Ouais, c'était sous un angle très compliqué. Et la faute de Johnny Maquies. Ce sera sa quatrième.
À mon avis, il n'y a pas matière à siffler anti-sportif ici. Il y avait déjà une grande partie de l'équipe qui était devant le ballon, donc ça sera compliqué quand même de justifier par un arrêt de contre-attaque. Mais... Et puis Brendan Favre qui a fait sa sortie pour Mateus Rodriguez Rocha. Et ouais, la quatrième de Joanie Maquest, elle fait un peu mal. Et encore une fois, hein, cette question de faute qui pose défaut par moment dans le jeu du Neuchâtel, qui souvent spectaculaire, mais trop souvent limité à cause des fautes commises par ses nombreux joueurs. Ouais, et là qui met en difficulté Union pour les 3 minutes 40 à venir avec 4 fautes d'équipe. Mabonzo jusqu'au bout. Il y est allé là, il est passé à travers la défense et qui finit spectaculairement son attaque avec le N1. Incroyable ce N1 réalisé par Axel Mabonzo. Et il a de la motivation, il a faim. Et comme dirait un des gars du commentaire, il est énervé. Il est énervé ce soir, Axel Mabonzo. Il est instoppable. Ouais, 16 points pour lui ce soir. Oh, c'est la cinquième faute de Joanie Maquet. C'est lui qui a commis cette faute. Aïe, 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 ça c'est aussi ça un coup dur. Et c'est assez tôt hein, dans le match pour prendre sa cinquième faute. Ouais, complètement. Après, c'est des fautes aussi qui ont apporté quelque chose, hein, qui ont permis d'arrêter des attaques. Et là, un vrai coup dur pour Joanie Maquès qui ne comprend pas trop ce qui lui arrive. Joao Caputo, là, maintenant, qui va prendre ses responsabilités. Ouais, il le doit ici. À la main. Et Mabonzo qui peut convertir. Sur lancé franc ici, encore une fois 53-51. Il faut surtout pas se laisser déstabiliser par ces dernières fautes commises. 3 minutes 30 à la fin de ce troisième quart. Et Mabonzo qui veut tenir bon face à Nate West. Oh, le cross, super! Ouais, il trouve Moton, Caputo. Oh non, c'est trop court de la part de Moton. Et la balle, elle est pour Jonathan Dubas. Oh, et il y avait peut-être un petit marché ici de la part de Jonathan Dubas, mais il n'en est rien. Les deux équipes sont à égalité. C'est trop facile hein, de la part de pour Veve Rivera. Ouais, là Caputo il trouve Moton et Salman à l'intérieur. Ouais, ça se complique, c'est compliqué. Et la balle, elle sera pour Union Neuchâtel. Ouais, on complique vraiment le jeu hein, pour Union Neuchâtel ici. Et là, c'est vraiment une impression que j'ai là, que les joueurs sont très très conscients du score. À tout moment, là, quand Vevey remonte, Neuchâtel a envie de remarquer un écart. Et là, quelquefois, c'est un peu précipité. En tout cas, on en a l'impression. Ça donne deux shoots nettement trop courts pour rentrer dans le cercle. Et surtout que voilà, avec cette zone, c'est vraiment compliqué d'aller chercher vraiment à l'intérieur. Il faut vraiment une bonne circulation de balle et trouver la faille. Une feinte, une pénétration, une coupe. Il faut vraiment à chaque fois bouger. Et là, c'est vraiment compliqué pour Union Neuchâtel. Pour Robertson. Oh. Ouais, non. La balle est déviée par Jack Crouch. Et on aura besoin aussi d'un Hakim Robertson qui doit un peu plus scorer ce soir aussi. Allez, tout de suite faire la remise en jeu. À nouveau sur Robertson, qui se trouve seul. Oh, il loupe le tir, Robertson. Le rebond pour Thomas Salman, heureusement. Oh, il veut prendre lui-même la responsabilité. Oh, c'est court. Et Robertson, les mains. Oui, et le panier ici, Hakim Robertson. Celui-là, il va faire du bien aussi. Cette fois, elle est dedans, ouais. 55 à 53. La balle pour Mabonzo. Mabonzo encore, il a de l'espace. Ah, il loupe le layup par contre. Le rebond. Nate West, contre-attaque. Salman, Moton. Oh, ouais, la petite faute ici de Jack Crouch. Ça a pu faire un circuit shot, mais Moton va aller sur la ligne des lancers francs. Selon moi, très bonne faute là pour stopper Moton qui semblait parti pour le dunk. Oui, c'est vrai, ouais. Il en est capable hein, en tout cas. En tout cas, Moton qui s'investit complètement hein, malgré qu'il soit un peu affaibli hein, de l'épaule. Ouais.
Premier lancer franc réussi pour Darius Wotton. Une chose est sûre en tout cas, c'est le terme de lancer franc. Il y a beaucoup moins d'échecs que lors du game 3. Et ça c'est bien pour Union Neuchâtel de vraiment miser là-dessus. 56-53. 57-53 carrément. Darius Wotton qui met son 9e point ce soir. Allez, Simi Jean, un peu tôt, doit bien défendre ici. C'est dommage, je l'attends du bas, il a de l'espace. Sur Mambozo. Il y a de l'espace ici, Rodriguez Rocha. Le panier à 3 points, Rodriguez Rocha. Et là, c'est Vevey qui a de la réussite énormément. Ouais, autant qu'il y avait 4, 3 points sur 17 réussis en première mi-temps. Là, on a déjà un pourcentage beaucoup plus favorable aux Vaudois. Et là, c'est Nate West qui trouve Button à 3 points. Darius Button, c'est manqué le rebond pour Jack Crouch. Attention, attention à cette possession. Il va aller à l'intérieur, Mambozo. Oh, jusqu'au bout, ouais, non, pas de contre illégal, mais repris par West, Djokovic, pardon. Qui met son 15e point ce soir. Qui est en train de sortir un match monstrueux, Thomas Djokovic. Et attention à la défense et la faute de Jonathan Dubas. Ouais, Union Neuchâtel qui perd son jeu. J'ai l'impression dans ce troisième quart, un peu à l'image de lundi. Hein. Et vraiment, ce serait quand même, c'est quand même dommage de voir encore une fois. Disons que Neuchâtel est quand même assez bien propulsé par sa réussite aux 3 points. Et dans des moments plus creux comme ça, il y a plus de peine à générer des actions fructueuses. Complètement. Voilà. Allez, il faut faire ta remise. Et attention, t'accroche de ne pas perdre la balle. Sortie ouais. Pour Vevey. Grosse pression défensive hein, mise par Vevey Rivera Basket. Et là, le tournant du match pour l'instant, il est pour Vevey. Il est clairement pour Vevey. Union Neuchâtel doit clairement se ressaisir et pas se focaliser sur son jeu individuel, ça c'est sûr. Pour Rauch. Djokovic. Mambozo. Allez, la bonne défense. La bonne défense ici. Ah, il reste une seconde. Oui, c'est loupé. La balle qui touche carrément le chrono des 24. Mambozo qui n'avait pas d'autre choix que de tirer depuis le milieu du terrain. Absolument pas. Non, il restait une demi-seconde. Donc, c'est bien joué de tenter. Voilà, le 3 points lointain. Et là, c'est Adam Kejval qui rentre pour Jonathan Dubas. Qui lui aussi est en train de faire un match très à son honneur. Malgré les différentes blessures qu'il a pu engendrer cette semaine. Et pour l'instant, c'est toujours un point qui sépare Vevey à Union Neuchâtel. L'avantage aux Vaudois. Défense de zone de Vevey, 3-2. Ouais, toujours Moton. Ça redonne à Nate West. Salman à l'intérieur. Et la faute de Jack Rauch. Ce sera la cinquième de Vevey Rivera. Ça va donner deux lancers francs à Thomas Salman. Chaque point compte là. Chaque faute qui donne des lancers francs compte. Il dit qu'il y a encore 10 minutes hein, après. Oui, ouais, justement. Vous, mais... justement. Mais c'est on dit souvent que le troisième quart est assez décisif et qui permet souvent à prendre un certain écart. Et ben là, c'est pas du tout le cas. Et là, c'est Thomas Salman, au coude à coude. Thomas Salman qui loupe son premier lancer pour aller ne pas laisser place à la frustration, le stress. Il faut laisser oublier tout ça dans les vestiaires. Et là, le deuxième lancer franc qui réussit Thomas Salman et qui remet les deux équipes à égalité. Et je crois qu'on passe à une défense en zone cette fois-ci. Pour Union Neuchâtel. 1-2-1. Voilà. Et même qui passe en 3-2 carrément. Ouais, c'est bien fait pour Djokovic ici. Là, la récupération pour Moten. Allez, il faut jouer à la contre-attaque à fond. Moten, le Eurostep et le panier. Darius Moten. Et la dernière possession de ce quart, elle sera pour Vevey. Jack Rauch, 8 secondes encore. Mambozo qui trouve. Oh, Djokovic peut aller punir le 3 points. Non. Ah, mais le rebond. Une seconde, non. Non accordé. Non, c'était accordé. Avant. Et c'est la balle, indique l'arbitre. Pas de faute sur ce dernier tir. Et pas de panier accordé du coup.
2 points d'avance séparent Union Neuchâtel au Vevey Rivera Basket. C'est vraiment pas donné hein, cette rencontre. Pour ceux qui ont une tension limite aujourd'hui, il faut vraiment pas regarder ce match. Ouais, comme quoi il y avait un favori sur le papier, mais sur le terrain il y en a pas. Là dans cette fin de troisième quart, on reste dans un match très très serré, un match spectaculaire de play-off. Et on vous l'annonce déjà, dans le cas d'un cinquième match, il aura lieu ce mardi, dans deux jours, 19h30 aux Galeries des Rivages. Effectivement. Donc si vous voulez suivre cette rencontre sur YouTube, voilà, vous savez quoi faire. Mais c'est pas nous qui allons commenter ce match, parce que... Et non, voilà. Hélas. On peut pas être partout, les gars. C'est juste ça. C'est aussi simple que ça. Je vois un peu sur les commentaires, vous êtes près de 600 personnes qui suivent ce match. Des gens qui viennent de Colombie, des personnes qui viennent de Sierra Leone, voilà, des supporters de Vevey, de Neuchâtel, on a des gens un peu partout. Thank you everybody to see, to watch the game tonight. Ouais, mon anglais il est pas non plus hyper incroyable, mais j'essaie de faire au mieux. We know English is a very basketball language, it's important to talk it. Also to our fans overseas. Yeah, okay, but you mean that I don't play basketball, so I'm not speaking English? I play basketball, bro. You know that? Yeah, yeah, I know, yeah. For sure, man. Okay. I know. It's very important, man, English. Okay, man. But you're just fine, man. Okay, don't worry about that. Allez, ce petit moment de traduction, là. Maintenant, yeah. Il faut traduire tout ça. Non, on va rien traduire. 60 à 58. Et il reste 10 minutes. 10 minutes pour savoir si Union Neuchâtel va se qualifier, oui, pour les demi-finales. On revit un peu un scénario comme ce lundi. Complètement, c'est complètement fou. Donc vraiment là, c'est chaque action, chaque seconde qui va compter. Et en tout cas, on peut déjà féliciter les deux équipes pour ce combat qui délivre. Ouais, cette belle série, cette belle affiche hein, de ces playoffs, c'est vraiment la plus belle affiche qu'on ait eue jusqu'à présent pour ces quarts de finale. On le rappelle, Fribourg Olympique s'est défait 3-0 de Nyon, il n'y a pas eu de surprise. Marciano s'est défait 3-0 depuis Lausanne, il n'y a pas vraiment eu de surprise. Et là, on a peut-être le Genève Montais qui, le 4e contre le 5e, est aussi intéressant. Mais en termes de spectacle, le match Union contre Vevey, c'est celui qui a tenu toutes ses promesses. Et il nous reste 10 minutes. Peut-être les 10 dernières de cette affiche, ou peut-être pas. Ouais. On le saura. On verra techniquement, en tout cas émotionnellement, on y sera. En essayant de vous retransmettre ce qu'on vit ici à la Riveraine. À fond. Et pour Rauch, et non, là, ça passe à côté. Ouais, le rebond ici pour Brendan Favre. L'interception, Nate West, incroyable ce qu'il a fait comme défense ici, Nate West. Qui s'est bien démené sur Brendan Favre, un peu trop laxiste hein, sur ce coup-là. West encore. Oh, la passe trouvée pour Robertson. Et le panier pour Robertson. Ouais, Jonathan, et l'interception. Et le panier. Oh, non, faute de Thomas. Mais une faute accordée à Thomas Salmon, faute de Mateus Rocha-Rodriguez. Non, je pense que c'est Axel. Pense que c'est Axel Mabozo. Ouais. Et c'est une superbe défense hein, de la part de Thomas Salmon. Et c'est bien, hein, Union Neuchâtel qui a parfaitement retiré dans ce dernier quart. Et là, c'est important, on l'a dit, il faut soigner ses stats. Il faut mettre ses lancers francs, je l'ai dit. Il veut pas m'écouter, Thomas Salman, ça m'énerve. On précise qu'Alereza aussi a une vocation d'entraîneur. Hein. je l'étais un temps et j'ai raccroché, on va dire ça comme ça. Et le deuxième qui n'est pas dedans non plus. Et la balle, elle sera pour Neuchâtel. Mateus Rodriguez Rocha qui demande à ce qu'on vérifie la possession de la balle et il va demander le challenge. Challenge demandé par Vevey. Thomas Salman qui peut s'en vouloir de ne pas mettre ses deux lancers francs. Ça va quand même être compliqué, hein. Je pense même sur le challenge de voir clairement une différence. Enfin, vu le positionnement de la caméra, c'était vraiment les deux mains qui se disputaient le ballon. Mais on verra. Ouais. Alors de toute manière, c'est raté les lancers francs, hein, mais on peut dire qu'en amont, il y avait une interception cadeau là, de Thomas Salmon qui fait beaucoup du bien d'avoir des deux points qui sont voilà, au prix d'un effort individuel comme ça. Qui doivent être récompensés, oui, c'est sûr. Et ouais. C'est dommage, voilà, ça,
ça peut bousculer sur sa confiance, mais il faut vraiment rester dans le match et rester concentré du début à la fin et vraiment se dire que voilà, next stop, vraiment jouer une action après l'autre et miser sur tout ce qu'on a, tout donner sur le terrain. C'est ce que Pevey fait, il faut qu'Union fasse de même. Et puis voilà, il y a quand même une part qui est non maîtrisable, qui est dans ces petits moments, dans les demi-secondes, dans les dixièmes de seconde, d'avoir la lucidité de trouver un joueur, de trouver une interception là comme pour Thomas Salmon. Et la balle sera effectivement pour Vevey. C'est un challenge gagnant pour Ivan Beram. Et Vevey qui peut recoller au score sur cette possession. 9-22, 62 à 58. Une grosse pression là qui se prépare d'Union Neuchâtel. Pour et ça défend tout terrain. Rodriguez Rocha. Et Mabozo, il est cerné aussi. C'est très serré là. Et ça donne sur Mabozo. Mabozo à l'intérieur. Ouais, c'est trop court. Le rebond pour Dylan Schemmer. C'est bien. On a besoin aussi de lui pour le rebond. Thomas Salmon à l'intérieur. Ouais, la mauvaise passe. Faute de pied. Balle Vevey. Ah là là, Thomas Salmon qui n'est pas sous le coup dans ce dernier quart à part l'interception. Ah, il doit saigner ça. Et de nouveau, hein, grosse pression là, tout terrain. Ouais. Pas si grosse non, que pas ça. Pas si grosse que pas ça. Pas si grosse que ça. Je voyais plutôt Schomer aller en défense, mais non. Ah, et puis là, ça laisse pas des sas aux tireurs d'élite Favre. Et la faute offensive ici. Et bon, je pense que c'est Jonathan Duba. Je suis pas sûr que c'est Jonathan Duba. La faute est pour... Ouais, c'est Jonathan Duba qui commet sa quatrième faute. Ça aussi, ça pourrait être un facteur sur lequel jouer. Ça peut peser beaucoup dans l'issue de ces rencontres. Et la balle, elle est pour Neuchâtel, donc, qui cette fois-ci a l'occasion de creuser un peu son écart. Salmon. Robertson, il peut trouver Ankroum. À l'intérieur, Ankroum. Pourquoi pas, il faut essayer de jouer à l'intérieur. 6 secondes, la bonne passe. Et le Rivelaine se lève. Hakim Robertson qui a bien trouvé la vitesse pour mettre en avant. Oh, l'interception était vraiment pas loin. Alors autant plus le dunk là, il était droit devant. Ah, il est franco notre ami Hakim Robertson. Ah, on peut le dire, ouais. Celui-là, il fait du bien. Et enfin, on peut voir Hakim Robertson efficient dans la raquette avec pour l'instant 10 points à son compteur. Je sais pas à combien de rebonds il est, mais on va regarder tout ça, hein, Victor. Évidemment. 6 rebonds pour Hakim Robertson. Et puis quand même noter Nate West qui est à 22 points, 5 rebonds, 6 assists, hein, quand même. 3 interceptions. C'est clairement le facteur X qui a fait basculer ce match. Et du côté de Vevey, 9 points. Pour Joe Duba, 17 pour Mabozo, 15 pour Jurkovic. Il n'y a pas beaucoup d'assists, hein, de ce que je suis en train de voir. On est à 9 assists, hein, seulement pour le Vevey Rivera Basket. Et puis du côté de Neuchâtel, je crois qu'on en est à 15. Donc ouais, ça aussi, ça joue beaucoup. On peut dire aussi quand même que Vevey a peut-être moins d'assists aussi que... on a vu Mabozo se créer des occasions, donc se passer d'assist, pas forcément hyper représentatif. Et on a vu beaucoup de shoots, surtout côté Neuchâtel, qui expliquent en grande partie là ces assists. Le retour des joueurs, il reste 8 minutes 23 pour savoir qui sortira vainqueur de ce duel à couper le souffle entre Union Neuchâtel et Vevey Rivera Basket. Ouais, les 5 secondes, je sais pas s'il les a sifflés, mais il n'en est rien. Jack Rauch. Et la bonne défense, Hakim Robertson. Il trouve Jurkovic, ça s'emballe un peu. Jurkovic, le tip-in, non. Et la faute de Dylan Schemmer. Okay. Et là, Nate West qui s'est pris un coup à la tête. Là, une main baladeuse. Donc, il s'est pris une baffe. Ouais, à mon avis, il s'est sûrement pris une baffe.
Et puis Jack Crouch qui réclame à l'arbitre que voilà, Arkham Robinson il monte dessus. Les arbitres qui vont discuter. Pour le moment, faute commise par Schumer sur Duba. C'est sa troisième, Madilyn Schumer. On en reste là. Deux lancers francs pour Jonathan Duba. Ouais, mais avant, ah. Mitar Trivolovic a quand même demandé à le challenge sur cette action de houleuse de Nate West. Je sais pas si. Bon, en vrai, nous, on peut aussi la revoir, mais. Il y a plusieurs choses là à revoir sur le challenge. Il y a aussi peut-être après ce que c'est pris dans le visage Nate West. Ouais, est-ce que c'est un coup volontaire ou pas? Est-ce que ça mérite d'être signalé? Ouais, on sait pas, on verra. C'est toujours bien maintenant d'avoir cette option de challenge. Ça peut changer comme avant une possession qui avait été donnée à Union Neuchâtel et qui finalement est donnée à Vevey. Donc ça peut changer, c'est des petites choses qui ont leur valeur maintenant dans un match avec un score aussi serré. Et là c'est les trois arbitres carrément qui sont allés voir la scène parce qu'ils vont aller prendre toutes les décisions ensemble. Ouais. C'est pas seulement un arbitre hein, parce qu'il y a quand même, comme l'indique le nom, une bonne part d'arbitraire. Est-ce qu'il y a de la volonté de faire mal? Est-ce que c'est de la maladresse? Ouais, alors on va peut-être vous commenter ce que montrent avec leurs mains les arbitres. On voit qu'ils sont en grande discussion. Ouais. Je sais pas si nous on peut revoir éventuellement cette séquence. On va essayer de. Donc 8 minutes, hein, mais 8 minutes encore avec beaucoup de rebondissements, on l'imagine. Comme sur des actions comme ça qui sont très discutées par les arbitres. Alors qu'on revoit avec Ali Reza. Ouh, oh waouh, ok. L'action. Il s'est vraiment pris. Ok, il s'est vraiment pris un coup. Mais je ne sais pas. Voilà, il est là, regarde Jonathan Duba. Il prend la faute et puis là, ouh là là. Ah ouais, ouh, là. Ouais, c'est Jonathan Duba en ratterrissant là qui donne un coup à Nate West. Ok. Finalement. Et puis là, il y a faute du numéro 0 anti-sportif. Jonathan Duba qui va prendre sa cinquième faute. Je sais pas si c'est sa deuxième anti-sportif. Ça veut dire qu'il est carrément dehors du match. Oh là, et c'est un grand tournant de la partie là. Les spectateurs qui lui demandent de partir. Jonathan Duba qui doit quitter ses coéquipiers à 8 minutes dans la fin du match. Une lourde décision qui est prise là par les arbitres de reléguer Jonathan Duba sur le banc. Alors, après être monté au panier. Le public qui chante du bas est loin. Alors, je sais pas quoi dire là. Ça, ouais. C'est même le vestiaire qui est demandé à Jonathan Duba. Ça fait mal pour le capitaine. En fait, c'est le vestiaire parce que il est à sa deuxième faute anti-sportive. Et quand même, les gens le saluent, le provoquent. Mais quel joueur quand même, Jonathan Duba. Non, mais je cautionne pas ça. Vraiment, je pense pas qu'il y avait une attention. Énorme là de blesser l'adversaire. Enfin bon, on va revenir dans ce match. Adam Kishval, ça va être sans Duba. Vevey qui a déjà fait des adaptations pour ce match, mais qui va jouer plus petit. Et qui va jouer vraiment en small ball. Sans Takal, sans Ikena, sans Duba. Est-ce que Vevey peut créer l'exploit de chercher un Game 5? Nate West qui met son lancer franc, 65 à 59 pour Union Neuchâtel. C'est deux lancers francs hein, pour Nate West. De 2 sur 2, celui-là il va faire du bien hein, ici à Neuchâtel. Ouais, qui prend 7 unités d'avance là. Ouais, et puis la balle elle est donnée pour Union Neuchâtel. C'est peut-être le tournant du match, hein, Victor, si je dois être honnête. Ah, c'est possible, on va le voir là dans les quelques minutes si ça va vraiment avoir un énorme impact sur le score. Allez, c'est parti, West. Entre.
Ouais, la mauvaise passe de Ankrum. Hazard. La récupération de Thomas Jurkovic. Pas commettre la faute antisportive. Ouais, il n'y a pas de faute. Repris par Favre et repris. Oh là là, il loupe tout. Kejval et qui finalement marque. Ouais, plus personne n'était au rebond. S'il ne marquait pas là, ça aurait été vraiment terrible. 66-61. Allez, il faut vraiment soigner ses balles. Notamment pour Dalal Ankrum. Ankrum le shoot. C'est loupé. Hop, et une faute est signalée contre Arkim Robertson sur le rebond là qui pousse son adversaire. Allez, faire attention Union Neuchâtel, ne pas jouer dans la facilité, de continuer à provoquer ses fautes à Vevey, de provoquer la raquette, de jouer peut-être plus sur Nate West qui pour l'instant est vraiment l'homme du match du côté de Châtelois. Mabozo. Mabozo encore, il essaie d'organiser le jeu, il y a un double pic qui se prépare. Ça joue avec Rauch. Favre. Favre encore à l'intérieur. Il trouve Jurkovic. Jurkovic par le milieu. Ouais, ça va haut. Il n'y a pas de faute ici. L'arrêt contre-attaque pour Dalal Ankrum. Ouais, la bonne passe trouvée pour Nate West. Là, Ivan Beram qui réclame le marché. Nate West, il prend le pic. Nate West à 3 points, il est loin. Et le Nate West. God damn, Nate West, what are you doing tonight, man? That's crazy. That's crazy. Et Jack Rauch qui peut aller chercher le shoot ici et le panier ici de Jack Rauch qui répond au panier de Nate West. Nate West qui en est à son 6ème 3 points. 27 points pour Nate West, qui est en train de porter Union Neuchâtel vers la victoire. Tout le monde avait pensé qu'il fallait doubler et centrer sur Dalal Ankrum. Mais que dire de la performance de Nate West? Et Chauveur, le 3 points lui aussi, et le Averse de 3 points de nouveau à la riveraine. C'est un festival qu'est en train de faire Union Neuchâtel. 72 à 63. Ah, vraiment des moments forts là, qui aujourd'hui, à mon sens, sont vraiment dus à ces trois points-là qui permettent à Neuchâtel de marquer les écarts. Il ouvre son tir. Il ouvre son tir, Thomas Jurkovic. Et là, ça part un peu plus lentement. Et là, Union Neuchâtel mis en place. Crucifié. Chômeur qui monte. Ah, West qui décale sur le côté. Et West encore. West toujours. Le cross, il perd un peu la balle. Il n'est pas sorti. Ouais, c'est compliqué. Il s'en met les pinceaux. Entre les jambes, mais finalement, la balle. Et Vevezan. Allez, Nate West, il doit donner cette balle. Il doit absolument donner cette balle à Nate West. Et Arkim Robertson va sortir un coup pour Darius Moten. Et il faudra absolument bien garder Adam Kejval parce que du coup, c'est lui qui est le. C'est l'homme le plus grand sur le terrain, carrément. Ouais. Et il reste 5 minutes 35, 72-63 pour Union Neuchâtel. Il y a beaucoup de choses à contenir là du côté de Vevey. Hein. La rapidité aujourd'hui, c'est le point fort. Pour les Vevezans, avec Mabozo sur le bloc sur Salman. Attention, Mabozo encore. Ah, la mauvaise passe de Axel Mabozo. Ah là là, coup dur ici, encore une fois pour Vevey. Le temps mort de Ivan Beram. C'est son deuxième de ce quatrième quart. Union Neuchâtel qui est en train vraiment de se profiler vers une qualification pour le demi-finale. Il faut rester vigilant jusqu'à la fin. Ouais, le tournant du match, je pense vraiment que c'était le départ de Joe Duba. Ouais, qui fait mal, hein, qui pendant toute la saison a vraiment supporté l'équipe, qui par sa présence sur le terrain permet d'avoir des nouvelles options, de créer du jeu. Et là, sur les dernières actions, on manque un peu d'options côté Vevezan. Ouais, il y a moins de facilité à aller trouver ça. Et couplé maintenant à la réussite revenue de Neuchâtel à 3 points, ça fait mal. C'est l'écart qui se creuse. 9 points de plus pour Union Neuchâtel. Ouais, je t'écoute en même temps et je vois le président Zana de loin qui est vraiment pas content. Je pense que c'est sur l'arbitrage, sur ce dernier call de Joe Duba. Ouais. C'est sévère, hein. On peut regarder de nouveau la vidéo. Après, ça, Jonathan Duba il est conscient d'avoir sa quatrième faute. C'est vraiment dans le feu de l'action. C'est clair que ça fait très mal à Nate West. La cinquième. Il était à sa quatrième, je veux dire. Oui. Et puis là, il, voilà, il,
il est conscient qu'il ne peut pas se permettre de donner une faute, et encore moins une faute comme ça. Donc c'est sévère, il faut l'accepter, c'est la décision des arbitres. Ouais. Pas de chance pour des deux côtés. Là, c'était quand même le retour de Hakim Robertson hein, pour Darius Mouton. Et Union Châtel qui repart la zone ici, encore une fois, de Veve Rivera. La passe trouvée pour Dalla Lancroum, l'interception pour Thomas Jurkovic. Là, ils vont y aller, il y avait déjà pas monté. Oh là, il loupe le plus facile, Thomas Jurkovic. Ah, la contre-attaque, Dalla Lancroum, il peut aller chercher là un contre-un. C'est bien revenu de la part de Mabozo. À Dalla Lancroum, pourquoi pas jouer le contre-un là, il aurait dû y aller. Non, mais il y avait quand même deux de ses coéquipiers là qui couraient à toute allure. Ouais. C'était une bonne décision, peut-être l'avoir retardé un petit peu là, pour avoir laissé passer Mabozo. Mais voilà, on peut pas leur en vouloir à ce niveau. Après 35 minutes de jeu, on est dans les 5 minutes, dernières minutes de jeu. Il y avait peut-être une faute de la part de Nate West. Et Salman à l'intérieur, Pelé dans la zone, c'est le milieu, le c'est pris par Watson qui passe à Chomer à l'intérieur. Ouais, ah non, la faute, non. Ouais, oui, il y a une faute contre Bevezan. Contre le numéro. C'est Brendan Favre. C'est ouais. Brendan Favre qui a commis de la faute. Allez, c'est pas grave. 4 minutes 42 toujours. Quatrième faute côté Vevey pour l'équipe. Quatrième faute d'équipe. Ou Lancroum, il aurait pu dégainer, mais il n'en est rien. Il est toujours cerné par deux joueurs, hein, Dalla Lancroum. Ouais, c'est très haut là. Qu'est-ce qu'il prépare ? Salman à 3 points. Ah, c'est un peu excentré, dommage. Le rebond est pour Favre. Là maintenant, Vevey n'a plus le choix. Ils doivent aller et espérer que l'adresse et la réussite sont avec eux. Le score qui snag là depuis un moment. Et Raoult à 3 points. Oh, c'est trop court. La balle, elle est pour Vevey Rivera Basket. Ah, est-ce que là, on aura de nouveau une vérification? Parce que ça semblait pas évident. Alors, ouais, on l'a vu ratterrir dans les mains. Est-ce qu'après, Salman l'a poussé? Ou est-ce que Brendan Favre le touche du pied? Mabozo qui a l'air très sûr de lui, là. Ouais, que alors, non, il faut pas revérifier ça. Mais il restera 8 secondes, étant donné que la balle n'a pas touché l'anneau. Ouais. Voilà, c'est vraiment juste à cause de ça. Ils discutent. Thomas Salman qui replace tout de suite ses défenseurs. Il reste 4 minutes 14. Est-ce qu'Union de Châtel va tenir encore cette marge? Kejval, l'interception. Thomas Salman, la contre-attaque. Faut bien la jouer. Chemin qui peut aller. Pas de faute. Pas de faute, mais le contre. Ouais, pardon. On n'a pas réagi au contre de Jack Rauch. Ouais. Et il est super aussi. Dylan Chemin qui tenait sa balle un peu trop vers le niveau de ses genoux. Donc trop facile pour Jack Rauch. Et là, ça donne en hauteur à Chomer. Nate West encore. End of sur chaîne West. Nate West encore. Il trouve un Chrome. Ah, il a hésité à aller tirer. Mais il est bien cerné, bien cerné. 6 secondes. Chrome. Oh, la bonne balle trouvée. Chomer à 3 points. Oh, c'est loupé le rebond pour Hakim Robertson. Il va aller chercher l'intérieur. Le panier, Hakim Robertson. Célébration de la main gauche. Incroyable. Il en fait même un bisou. C'est beau. Et Kejval, et la faute ici de Hakim Robertson. Et Mitar Tribunovic qui demande pourquoi tu ne fais pas faute avant, parce qu'ils ont des fautes à donner, hein, Union de Châtel. Ah, Hakim Robertson, plus tant que ça, hein, il en est à sa quatrième faute. À combien de joueurs ils vont finir, Union de Châtel? C'est vraiment la prochaine question qui va se poser. Ouais, alors Hakim qui change là pour éviter de prendre sa cinquième faute pour Mouton. Qui en est à 3. Dalan à 2, Maquès à 5 depuis un petit moment, Chemer à 3, mais là c'est Kejval qui est au lancer franc, mais il loupe son lancer franc, Adam Kejval. Pas très habile hein, sur ce secteur de son jeu. Deuxième lancer franc pour Kejval, lui est... Et c'est réussi, mais non. Oui, c'est pas bien accordé, ouais. Mais il y avait Thomas Salman qui pénétrait avant que la balle touche l'anneau, donc vers la zone de 3 points. Dans le cas où le panier était raté, il y en aurait eu un autre. Supplémentaire, exactement. Et Thomas Jurkovic, il va tout de suite presser Nate West. Allez, il reste 3 minutes 30 dans cette rencontre. Il y a 10 points d'avance pour Union de Châtel.
C'est toujours Nate West qui garde cette balle. Bon, il veut pas la donner, Nate West. Il va lui-même prendre le shoot à 3 points. Contré, mais repris par Schomer. Ah, c'est dommage, ah, c'était bien tenté le alley-oop. C'était, oui, on peut dire une forme d'alley-oop un peu atypique. Et la faute de Dylan Schomer, c'est sa quatrième. Ça va donner pas de lancer franc encore, c'est la quatrième faute d'équipe. À partir de maintenant, tous shoot des deux côtés. 3 minutes 15 encore. La tension est à son paroxysme. À son état le plus haut. Mabozo. Cash Barbon, oh, ça démarque. Non, il n'est pas trouvé. Ah, c'est dommage. Et qui remonte maintenant. Mabozo. Eurostep. Ouais, la faute de Darius Moten sur Axel Mabozo. Sa quatrième également. Ouais, les arbitres, ils veulent pas laisser finir ce match. Ça, c'est sûr. Ah, ça, c'est certain que les fins de match avec des parties comme ça, ça dure, ça s'allonge. D'autant plus que là, VV va pas lâcher. Hein. Ils ont pas encore un écart suffisamment grand pour baisser les bras. Ouais, toujours 10 points d'avance. Ah, même avec 20 points, ça m'étonnerait qu'ils baisseraient les doigts à ce stade de la compétition. Toujours 10 points d'avance pour Union Neuchâtel à 3 minutes de la fin de ce match. Union Neuchâtel qui pourrait vivre une troisième demi-finale consécutive en championnat et qui retrouvait pour une troisième année consécutive Spinelli Massagno. Ce serait quand même la plus belle affiche encore une fois. Anecdotique en tout cas, ouais, ça serait quand même la belle anecdote. Et on s'en souvient, hein, les belles années avec l'épopée de 2022 et la finale réussie par Union Neuchâtel en battant Spinelli Massagno sur deux game winners carrément. Alors que la deuxième est réussie pour Mabozo. Et temps mort de Mitar Trivonovic. 3 minutes, tout est encore largement possible. Ouais, du coup, on disait, on aurait peut-être d'un côté, quand même, pour ces demi-finales, un classico, les Lions de Genève contre Fribourg Olympique, qui est vraiment le classique du basket. On a vu les belles années de ces affiches avec beaucoup de tensions et beaucoup de beaux matchs qui sont disputés entre les deux équipes. Et de l'autre côté, on a quand même une autre affiche, certes différente, entre Massagno et Neuchâtel, mais où en play-off, il y a un goût particulier quand même. Ah oui, c'est clair. Et puis bah pour le moment, c'est Union qui crée la grande surprise, hein, qui a fini 6e au classement de la saison régulière contre 3e pour Vevey-Riviera. Et donc qui a vraiment pris ce rôle de challenger et qui les deux victoires décrochées à Vevey ont été extrêmement précieuses. Et voilà, Vevey, du côté de Vevey, la fin de saison là est compliquée par ses absences. Ses blessures aussi. Et ses blessures compliquées par la sortie de Jonathan Dubia il y a 5 minutes. Ouais, complètement. Et voilà, est-ce que si Union se qualifie, est-ce qu'ils pourront rééditer l'exploit de gagner deux fois à l'extérieur contre Spinelli Massagno, deux fois dans le Tessin? Ce sera la question qui va être posée. Et le début des demi-finales, ce sera pas trop vite, allez, attends, on n'est pas au bout. Allez, pas c'est reparti. Encore. La balle, elle est pour Union Neuchâtel. Thomas Salman. Nate West. Ouais, il a de la place. Il va redonner à Salman. Schumer. Ça reste que en haut de raquette. À l'extérieur, mais qui rentre Salman. Qui trouve en un rebond à 3. Ah, oh, le in and out, c'est dommage. Le rebond est pour Brandon Favre. Jack Crouch qui va aller affronter Dylan Schumer. Là, c'est pas passé. La balle pour Comet à la locker room. La passe qui a été déviée au dernier moment par Brandon Favre. C'est très très précieux là de pouvoir jouer des longues attaques pour Union. Et ouais, qui ont de l'espace là, en tout cas qui l'ont eu à la dernière action. Vu que Vevey reste encore en zone, ça permet de jouer l'attaque entière dans toute son entièreté. Et Union ne s'en prive pas. Alors que West trouve Salman, il va aller chercher l'intérieur, il trouve Nate West, il peut tuer le match. Et il tue le match de Nate West. Incroyable. Son 30e point ce soir. 107ème, 3 points, 30ème point au total. Et Jack Crouch qui ne met pas son tir, Kejval qui récupère la balle, le rebond. Oh, la faute ici de Hakeem Robertson. Oh, c'est quand même assez sévère, je trouve, ici. Ouais. Il y avait quand même un entre-deux qui était sifflé. Ça va shooter, 5ème faute. C'est Darius Moten qui va prendre la place de Hakeem Robertson.
Il est quand même fini à 5 fautes, hein, Arkim. Ouais, bah, la 5ème, elle vient au bon moment. Hein, et il y a encore des possibilités de changement avec des joueurs qui sont encore chauds, qui ont déjà foulé le terrain. Même plus que juste foulé. Kejvan qui loupe encore une fois son lancer franc. Je sais pas s'il en a mis hein, depuis le début du match, Akram Kejvan. Ouais. Ah, même un lancer franc là, un point, ça aide Vevey. Ça va y croire. Ouais, là ici il réussit cette fois-ci Adam Kejval. 1 minute 56, on rentre dans les deux dernières minutes de cette rencontre. 77 à 66. Il y a beaucoup d'espace, là en attaque. Il y a West qui est pressé, on passe sur Moton. Il va aller pourquoi pas chercher l'intérieur, Salman. Lui aussi il va aller chercher l'intérieur, il trouve un Krum. Ouais, la balle, grosse perte de balle, encore une fois de grosse perte de balle, mais il y a quand même 22 secondes là qui se sont écoulées dans l'attaque d'Union. 1 minute 36, 11 points d'écart. On se dirige vers une victoire d'Union Neuchâtel. Mais attention, c'est pas fini, hein, on répète quand même. 1 minute 22, 1 minute 30, il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et il se passe à partir de déjà cette possession. Mabozo. Ou attention de ne pas avoir. Mabozo jusqu'au bout. Il bloque oh de Dylan Schumer, la grosse claque du Zurichois. Oh là là, il fait taire Mabozo ici, complètement fou ce compte. Très propre, pas matière à discussion là sur une éventuelle faute. Mais la balle reste Vevezan. Oui, il reste 9 secondes au chrono 24 alors qu'on va passer le coup de balai. Toujours 77 à 66. Chaque action des deux côtés, même du public Vevezan qui a fait le déplacement. Chaque action compte. Et les grandes actions, hein. À beaucoup de points là, elles sont très attendues. Démarquage. Finalement, la balle est sur Rauch. Rauch qui trouve fort. Rauch frappe. Oh là là, c'était un peu limite. Ah, Cafouille là. Ouais, attention, il y a Rauch qui pouvait être tout seul. Jurkovic à 3 points, c'est loupé. Le chrono de 24 qui a sonné, le rebond. Et pour Neuchâtel, il reste une minute. En toute douceur là. Il reste une minute et le public va gentiment se lever pour saluer cette victoire. Alors se lever, mais peut-être faire en sorte que je vois le match. Nettoie, il trouve Moton. Il va allumer lui aussi à 3 points. Allez, ça passe à côté, le rebond, la concrétisation. Thomas Salman. Vevey Rivera. Qui est malheureusement. Allez Reza, maintenant je pense que c'est l'heure de dire que Union se dirige sereinement vers la finale, mais ouais, c'est raté, il reste 30 secondes. Union Neuchâtel qui va après cette possession laisser tourner le chrono et se profiler vers la qualification pour les demi-finales de play-off. Je sais même pas si on va jouer les dernières actions honnêtement Moton, je pense pas. Il y aura carrément une perte de balle ici. Ouais, il reste 9 secondes, il restera une attaque pour Vevey, mais. On va quand même dire quel spectacle proposé par les deux équipes. C'est complètement une série. Ouais. Et quel renversement, hein. La sortie de Duba, les absences côté Vevey. C'est très très bien battu de Vevey jusqu'au bout. Mais la victoire et voilà, est neuchâteloise. Union Neuchâtel qui se qualifie pour les demi-finales. Grâce à cette victoire 79 à 66 et qui met Union Neuchâtel sur les devants, hein, 3-1 dans la série, qualifié en demi-finale et affrontera Spinelli Massagno. Victor, c'est fou. Ouais, c'est pour tout bientôt face aux Tessinois. Des matchs qui s'annoncent à nouveau très disputés, hein. Et on va quand même relever quand même. C'est la première fois de la série que les deux équipes se serrent la main. C'est vrai, parce que depuis le début, ils étaient là, ils étaient chacun de leur côté. Tant que la série n'était pas finie, on ne se serre pas la main. Et là, en sachant que les deux équipes ont livré un spectacle magnifique, ce soit les deux premiers matchs à Vevey, les deux ici, il y en a eu du spectacle, il y en a eu du basket, Victor. Et comment pas dire merci tout simplement au basket et à la vie de nous proposer ce genre de spectacle ici sur YouTube, sur Swiss Basket. Du spectacle et pour moi vraiment la surprise, hein, les challengers là qui bat, ça, pour les personnes qui ne soutiennent pas forcément une équipe, ça fait toujours plaisir de voir le challenger sortir. Un gros cadeau. L'équipe
qui part dominante sur le papier. Quelle prestation Union Neuchâtel qui a terminé, on rappelle, 6ème. Qui l'eût cru que ce Cagliari ferait pour sa 3ème demi-finale consécutive alors que la saison régulière était limitée. Et évidemment, on va ovationner un homme ici ce soir du côté de Neuchâtel en la personne de Nate West, à mon avis, qui était on fire, hein, tout simplement. Ouais, 7, 3 points, 21 points inscrits. Donc, et pour l'anecdote, points. Regardez bien, c'est Jasmine Gross de l'équipe du volleyball du NUC qui vient remettre le champagne à Nate West. C'est une belle accolade ici. Nate West et Union Neuchâtel qualifiés pour les demi-finales de playoff. On le répète, champagne. Quelle affiche quelle affiche va nous réserver cette rencontre, quel visage va nous présenter Union Neuchâtel pour cette série. La réponse, ce sera déjà samedi. Ça sera samedi, ça sera, et samedi, donc ça sera au Tessin, les deux premiers matchs. Et nous, on va se retrouver dans 2 semaines exactement, je pense, pour l'acte 3. Bravo messieurs, bravo à Vevey, Union Neuchâtel, et Union Neuchâtel qui a fait honneur à son statut. Et pour saluer quand même certaines personnes qui m'ont demandé de faire cette petite phrase d'accroche pour terminer. Et alors l'honneur à Marseille, à ICH. C'est peut-être pas la capitale, c'est Neuch bébé. Voilà. Ah, c'est Neuch, la capitale. Une nouvelle capitale. Un nouveau point, en tout cas, du basket helvétique. Voilà, c'est cadeau, mesdames et messieurs. Année. Le sac majeur, voilà, c'est pour vous celui-là. Ben, voilà, mesdames et messieurs, merci. Et une dédicace aussi à tous ceux qui nous écoutent depuis Vevey. Hein. Depuis Vevey. Merci de nous avoir suivis. Ouais, c'est vraiment bravo à toutes et à tous. Moi, il faut que j'aille faire des interviews, en fait. Maintenant, je me rends compte. Victor, merci de m'avoir accompagné sur ces séries, ces derniers matchs. Ça fait vraiment plaisir. Merci à toi pour l'invitation. À tout bientôt. On se voit bientôt parce que les prochaines rencontres, ça va se dérouler sous un autre format, une autre production, les productions jurassiennes qui vont venir ici et couvrir ce match. C'est les dernières infos que j'ai eues. Donc voilà, on a vraiment hâte de vous proposer d'autres visuels que celle de Keymotion. D'autres qualités, et donc qui sera visionnable aussi sur d'autres canaux que YouTube. Possiblement, je sais pas si la RTS va diffuser ces matchs, mais... peut-être pour la télé régionale ici, Canal Alpha. Non, pas Canal Alpha. Mais c'est vraiment un truc à part. Et puis le match sera quand même sur YouTube. Rendez-vous dans 2 semaines, mais suivez Union Neuchâtel, suivez ces demi-finales. Et mesdames et messieurs, on va se quitter. Et puis peut-être encore une dernière date, oui, dans 2 jours, pour ceux qui aimeraient suivre les quarts de finale. L'acte 4 entre Genève et Monthey. 19h30 à Monthey, disponible sur YouTube également. Voilà, mais on va vous couper ici, on va arrêter tout ça. Merci beaucoup, Victor. On se revoit très bientôt autour du paquet, ou je sais pas encore quand. Et puis nous, on se retrouve dans 2 semaines. Voilà, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Bonne journée, bonne soirée et bon dimanche. Bonne soirée.